Bonjour à tous et bienvenue sur Jour de Sport pour ce 8e tour de Coupe de France. Ce soir, le Paris FC reçoit Boulogne-sur-Mer. À mes côtés, Gabriel Aumont. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Julien. Une affiche qu'on connaît bien, qu'on a bien vue ces dernières saisons en championnat de national. Par contre, cette année, le Paris FC est en Ligue 2. Boulogne est en bas de tableau en national. Autant dire que la donne a vraiment changé, mais la Coupe de France avec Boulogne, c'est pas forcément un bon souvenir pour les Parisiens. Non, ni le championnat aussi. Mais oui, la Coupe de France, c'est un mauvais souvenir. Parce que c'est vrai que c'était un des matchs, finalement un des vrais gros matchs qu'a joué le PFC en Coupe de France ces dernières années à domicile. Bon, sans parler forcément du Red Star, on va dire avec un niveau différent. Il y avait le fait d'avoir reçu Boulogne il y a 3 ans maintenant, en Coupe de France, ici, sous l'époque de l'ère Mboma. Et Alexis Allard avait vite touché les espoirs des supporters parisiens. Et c'était plus une sacrée douche, hein, ça coulait bien là, c'était galé quoi. C'est là, c'était encore mon souvenir. On peut demander, on en parlait d'ailleurs un petit peu, ou même encore là, si on demande aujourd'hui aux supporters parisiens, les habitués, les plus mauvais souvenirs, alors pas dans le terme catastrophique, mais vraiment un mauvais souvenir, une déception, ça reste bien le scénario de ce PFC Boulogne il y a maintenant 3 ans. Le Paris FC qui s'était incliné sur le score de 3-0 avec un triplé d'Alexis Allard aux 33e, 37e et 43e minute de jeu. Mais quand on pense à cette époque-là, on se dit qu'elle est vraiment révolue puisque un seul joueur présent ce soir sur la pelouse du stade Charletti était présent lors de ce 3-0. C'était Cédric Fabien. Depuis, les effectifs ont complètement changé. Boulogne a continué à s'imposer régulièrement face au Paris FC. Un coup c'était match nul, un coup c'était une victoire, notamment lors de la dernière confrontation avec une victoire de l'USBCO sur le score de 3-1. Et Boulogne avait vraiment fait mal à cette équipe parisienne. C'était la première défaite des Parisiens l'année dernière, et c'est vrai que c'était un petit coup d'arrêt. On va dire que le PFC c'était pas un coup d'arrêt grave, on peut le dire comme ça, puisque évidemment les Parisiens c'était resté leader sur une première partie de saison exceptionnelle, et Boulogne était venu d'ailleurs avec ce fameux but là, trajectoire étrange qui rentre en bon sens de Marconnet. Mais voilà, Boulogne effectivement, on peut dire, c'est une équipe qui réussit sur les dernières confrontations. Ces dernières années, il y a juste eu le 1 partout pardon à Dégerine il y a de maintenant 2 ans, où Thomas Minel avait égalisé. Boulogne-sur-Mer qui par contre en championnat national est dans une spirale un petit peu moins bonne que face au Paris FC en termes de confrontation, en termes de bilan dans ces confrontations. Boulogne est premier non relégable avec 13 points en 13 matchs, 3 victoires, 4 nuls et 6 défaites, 15 buts inscrits pour 18 encaissés. Ça fait donc de Boulogne la 10e attaque du championnat qui a marqué autant que Épinal, mais la 16e défense de ce championnat de national et qui voyage extrêmement mal avec une victoire, 2 nuls et 5 défaites. 12e attaque et surtout dernière défense, 13 des 18 buts encaissés l'ont été à l'extérieur. Cette équipe de Boulogne voyage très mal et donc pourrait vraiment être dans une configuration qui serait pas du tout favorable à venir chercher un résultat ici à Charletti. Après c'est la coupe hein. C'est ça en fait qui est un petit peu spécial. C'est vrai qu'en championnat on donnerait en soi même pas cher, mais on l'a cité pareil l'année dernière dans un sens, même si Boulogne était quand même bien plus solide la saison dernière. Cette année c'est compliqué, mais voilà, la coupe, on sait que finalement on a vu des équipes de national vraiment galérer dans son championnat. Je vais le maintenir, je prends l'exemple de Quevilly, il y a 3 ans, c'est l'exemple. Hein. C'est-à-dire c'est un championnat compliqué, et en Coupe de France, ça ne les empêche pas de sortir Rennes-Marseille. Donc voilà, et d'aller en finale, donc on sait que c'est parti à Coupe de France. La seule peut-être différence qu'elle a, c'est que le PFC met son équipe type.
et que le PFC a besoin de gagner pour retrouver la confiance. Donc il n'y a pas qu'un objectif de qualification, mais de psychologie, de confiance à retrouver pour les Parisiens ce soir. Des Parisiens qui ont changé d'entraîneur en cours de deux semaines. Jean-Luc Vasseur, qui pour son tout premier match dirigé du côté de Créteil, a ramené un point plutôt satisfaisant, voire même encourageant, puisque ce score de 0-0 à Créteil permet au Paris FC d'arrêter une spirale de défaites. Mais ce soir, très clairement, il faut aller chercher une qualification en 32e de finale. Et comme le disait très bien Jean-Luc Vasseur hier après le dernier entraînement de veille de match, il ne faut pas du tout galvauder la Coupe de France, sous-estimer l'adversaire. Là, on est favori, certes, mais on est dans une logique de reconquête, logique de victoire, et il faut impérativement s'imposer face à Boulogne. C'est ça, et puis malgré tout, pour les gens du PFC, ça fait longtemps, hein, presque 4 ans. Bah, 4 ans, le PFC n'a pas connu les 32e de finale. C'est une équipe, le PFC, qui historiquement a quand même assez réussi en Coupe. Hein. Meilleur résultat, c'est demi-finale en 1982, perdu contre Orléans au Parc des Princes. Donc voilà, le PFC double objectif, un petit peu reconquérir aussi son public, parce qu'il n'y a qu'une seule victoire à l'état à domicile, donc forcément aussi qu'une seule victoire. Tout court, c'est un peu compliqué, quoi. Il y a besoin d'entrer de la confiance. Tout le monde a y gagné, et pas que sur le plan de la qualification, même si, comme pour moi je le pense, les 32e, ça manque quand même. Ça manque au PFC, et maintenant qu'il y est, là, il y a une occasion vraiment d'y parvenir. Surtout avec deux tours en moins, puisque le Paris FC Club de Ligue 2 est entré en lice seulement au 7e tour. Et Dieu, qui fut compliqué ce 7e tour face à Oissel, CFA2, qualification après les tirs au but. Et 0-0, surtout sur cette pelouse de CFA2. C'est ça, ça a été très compliqué de passer là-bas. Alors, le PFC des situations, Oissel qui est dans le groupe de la réserve, hein, c'est important de le noter aussi. Donc, il connaissait un petit peu le PFC et les joueurs qui étaient. Pour Reims, voilà, qualification au pénalty. On sait que la semaine qui a suivi était plus compliquée parce que c'est une défaite face à Bourg 4-1 et après une défaite face à Dijon 0-3 qu'on a eu le grand bonheur de vivre ici. Donc voilà, il y a aussi un problème, il faut dire, c'est un peu marqué sur les trois derniers matchs pour le PFC, même sur les quatre, puisque voilà, il n'y a pas eu de but dans le jeu. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose pour les Parisiens. Alors que les Boulonnais, eux, sont donc entrés au 5e tour de cette Coupe de France, ont affronté des clubs de rang inférieur en s'imposant assez largement à chaque fois par 2, 3, 4 buts d'écart. Boulogne affronte donc son premier adversaire coriace, premier vrai morceau dans cette compétition. Alors comment aborder ce match quand on est coaché par Stéphane Lemignan? Comment aller vers un match aussi important en Coupe de France face à un grand adversaire, et surtout quand on est en position assez délicate en championnat de national? L'élément de réponse, bien entendu, dans quelques instants. Pour l'instant, c'est l'entrée des deux équipes. Composition du Paris FC avec toi, Gabriel Aumont. Avec dans les cages, j'ai encore capitaine Excitebo, Sébastien Cantini, Bukunjika, Riboui, Mehdi Jean, Baboy Traoré, Tsiko Roqueta, Idriss Echergui, Richard Secrier, Romain Grange. Donc le système classique de 4-2-3-1 avec Grange en numéro 10, la défense centrale, Mehdi Jean et Hervé Riboui. Et en attaque, Richard Secrier. Du côté de Boulogne-sur-Mer, le portier sera ce soir Thomas Navo. La défense composée de Thierry Argelier, Lucas Rougeau, Cédric Fabien capitaine et Rémi Bonenfant. Au milieu de terrain, nous retrouverons Simon Ebras avec Joseph Lopi, Xavier Mercier, Guy Roland, Nyangbo seront aux côtés donc, de Grégory Thiel. Et un joueur qu'on aurait pu bien connaître au Paris FC, Dominique Pandore. On y reviendra tout au long de cette rencontre. Avec une histoire fantastique à vous raconter autour de Dominique Pandore et le Paris Football Club. Et pour l'heure, le banc de touche parisien. C'est exactement ça. Et pour le mot phénoménal, je ne sais pas s'il y va assez en soi-même. Je ne sais pas. Pour les remplaçants côté parisien, ce sera dans les gardiens remplaçants qui sont de Bouchard, parce que Vincent de Marconnet est blessé. Pour le reste, ce sera Ahmed Mouni, Yannick Jepsi, Axel Dissassi, qui est joué avec la réserve du 19, donc un jeune qui fait son apparition, qui avait été titulaire à Oissel, et Théo Pelnard. Du côté de Boulogne-sur-Mer, le banc de touche de l'équipe entraînée par Stéphane Lemignan avec Eric Vandenabelleuil, Brahim Sako, Lucas Dori, Mokhtar Keita et second gardien, l'ancien de Marseille Consola, Michael Fabre. Les deux équipes qui se mélangent pour faire la traditionnelle photo des deux équipes, photo groupée avec les arbitres de ce soir qui seront Olivier Tual, Mathieu Lombard et Madame Manuela Nicolosi du côté de la touche. A noter bien entendu qu'il n'y aura pas de quatrième arbitre puisque nous sommes encore sur un tour fédéral avec un club amateur engagé. Pas de quatrième arbitre, a priori pas de tableau de temps additionnel non plus. On revient un peu comme en national. Voilà, c'est un peu un retour en arrière comme on disait. Un retour aux sources. Aux sources, je sais pas si j'ai envie de considérer que c'est la source, mais
On ne sait pas où on va l'avoir la source. Mais ouais, à Orléans. Voilà. Ouais, c'est ça. Très bien trouvé. Elle mérite un 9 sur 10. Merci. Bon, alors elle peut être à Evian aussi la source. Ouais, on va peut-être s'arrêter là maintenant. On va peut-être s'arrêter là avec ces petites blagues. Le coup d'envoi va être donné par Boulogne-sur-Mer avec un maillot bleu sur votre gauche et le Paris FC avec un maillot blanc, short blanc, chaussettes blanches sur votre droite. C'est aussi ça la magie de la Coupe de France. Allez, c'est parti. Première possession de balle pour les Boulonnais avec donc en ligne de mire, donc 90 minutes voire plus, faut-il le rappeler. Qualification en 32e de finale et la possibilité de jouer contre une écurie de Ligue 1 à domicile ou à l'extérieur pour le PFC et forcément à domicile pour Boulogne-sur-Mer si ce tirage est favorable. Et donc pour l'instant, il faut passer ce cap des 8e tours. A noter qu'on va faire le petit jeu concours de savoir quel joueur du PFC va revenir avec le maillot le moins blanc du match. Ah bah joue tout seul Gabriel s'il te plaît. Ah bah je vais jouer tout seul mais je vais m'amuser. J'ai une pensée pour cher intendant du PFC Mathurin qui va avoir du bon boulot avec le maillot blanc. Ça va lui faire tellement plaisir le connaissant, savoir que la Fédé a sorti le maillot blanc. Quoique la pelouse de Charletti est quand même dans un très bon état, et c'est à signaler. Hein. Vraiment, c'était pas forcément le cas lors des années précédentes. À les premières possessions de balle parisienne aux abords de la surface boulonnaise, c'est facilement renvoyé par la défense adverse. Et Mercier essaye déjà de rejouer dans la profondeur vers Dominique Pandor. C'est un ballon finalement gratté par les Parisiens avec la montée de Cantini. Cantini pour Bamboula sur la droite. Bamboula qui est dans ses positions préférées et presque s'en sortira finalement. Non, ce sera une touche. Pour Boulogne, on va essayer de regarder beaucoup Grégory Thil aussi, forcément, parce que c'est un petit peu la star, si je puis dire, du côté de Boulogne-sur-Mer. Ouais, grande star, ça on peut le dire, hein, Grégory Thil, qui est revenu cette saison du côté de Boulogne-sur-Mer. Il avait passé quelques années quand même, entre 2005 et 2011. Petite stat, 241 matchs avec Boulogne, 115 buts inscrits, dont, il faut le préciser, 39 matchs en 2006-2007. Et sur les 32 buts, il y en avait 31 en national, un seul but en Coupe de France. Jamais un attaquant n'avait autant marqué en national sur une saison. Ouais. Même si Loukone pourtant qu'il avait mis une vingtaine lorsque Nîmes est monté en Ligue 2 à la fin de l'exercice 2011-2012, même si Loukone n'avait pas marqué autant. On se posera la question, est-ce que Blaye peut le battre cette année? Parce que finalement on regarde ces équipes comme peut-être Nîmes où l'on était ou même Boulogne, c'est-à-dire c'est une défense très solide, un milieu plus que compact et après un attaquant au-dessus de tout. Et Jérémy Blaguec, le Racing Club de Strasbourg cette année ressemble un petit peu à ça pour le National. Ça me complètement. Si tu le dis. Allez, nouvelle rentrée de jeu pour Boulogne-sur-Mer au niveau de la ligne médiane. Une rentrée de jeu qui est effectuée par Rémi Bonenfant. On revient au milieu de terrain avec le ballon dans les pieds de l'ancien Nantais Simon Ebras. Ebras qui revient avec Fabien. Pandore qui décroche, qui remet le ballon à Fabien. Fabien qui essaie de rejouer dans la profondeur finalement. C'est un ballon qui est arrivé directement dans les pieds de Mercier. Et les Parisiens peuvent récupérer avec Idriss Echergui qui tente de combiner au niveau du milieu de terrain. C'est un ballon contré et on repartira sur le côté gauche avec, me semble-t-il, Coquet Keiter. C'est bien ça, c'est l'international malien qui fait le ballon jusqu'à Bukunji. Et les Parisiens gardent le ballon. Romain Grange a essayé d'ouvrir là-bas, mais c'est pour personne, complètement à l'opposé. Ce sera récupéré par les Boulonnais. Là, on n'a pas trop vu ce que voulait faire Romain Grange. Peut-être jouer vite vers l'avant. On sait que c'est encore l'association titulaire et ce que cherche Vasseur déjà sur ce début de mandat au PFC. Cette association entre Idriss Echergui et Romain Grange. Et ce sera donc le premier ballon de la rencontre pour Thomas Navo au 5m50, 4ème minute de jeu. Si vous nous rejoignez que maintenant sur Jour de Sport, 0-0 entre le Paris FC et Boulogne-sur-Mer, et on va vous donner. Petite stat qui va vous faire penser un peu à des buts pour vous dire que cette rencontre sera animée, prolifique en buts. La moyenne de buts inscrits dans ces confrontations entre Paris et Boulogne est à 2,4 buts par match, mais du côté de Paris, que ce soit à Charletti ou à Dejerine, c'est à 3,5. À Boulogne, c'est 1,14. Quand on a du spectacle, c'est ici, c'est à Paris. Généralement, c'est Boulogne qui gagne, en plus. Ah ouais, superbe spectacle. Alors à noter, si on va aller sur le côté superstitieux, premier match à Charité Jimmy Vasseur, il a repris le bon côté gauche. Comme tout le monde a délaissé pour le bon côté droit. Voilà aussi. À noter. Si on veut retourner à la normale, on y va jusqu'au bout. Allez, merci qui a un ballon là sur le côté droit. Merci qui accélère, qui voulait rejouer avec Grégory Thil. C'est un ballon qui sera finalement récupéré par la défense parisienne. Plein axe avec Mehdi Jean qui s'appuie juste derrière sur Alexis Thébault. Là aussi, on voit que Jean-Luc Vasseur veut vraiment compter très rapidement sur, euh,
sur une équipe type, sur un groupe type, même s'il y a un petit peu de turnover et qu'il y a surtout un turnover à cause des blessés, et ne change pas le gardien pour cette rencontre. On pensait à Alexandre Bouchard, parce que Vincent Demarconnet était légèrement blessé, reprendra l'entraînement la semaine prochaine. On pensait vraiment que Bouchard pourrait prendre la place de titulaire dans le but parisien ce soir. Finalement, c'est bien Alexis Thébault. C'est ça, Alexis Thébault. Alors évidemment, c'est pas pour aider les Boulonnais, hein, contre Alexis Bouchard qui est un très bon gardien, confirmé national notamment. Voilà, il y a une volonté de reprendre confiance et de gagner pour le PFC. On va dire que ça tombe pas très bien pour Boulogne, cette nouveauté parisienne ici à Charletti. Et le coup franc pour les Parisiens, une quarantaine de mètres du but boulonnais, bien excentré sur le côté droit. C'est un ballon qui sera frappé par l'ancien joueur de l'USNAC, Idriss Eschergui. Quelques pas d'élan pour Eschergui pour mettre le ballon entre la surface et dévié par une tête parisienne avant que ce soit capté par Navo. C'était la tête de Richard Socrier. Ce ballon qui est bien relancé par les Boulonnais avec un contre qui veut partir, pourquoi pas, avec Dominique Pandore, mais bien arrêté Dominique Pandore par la défense et par Bokunjika. Dominique Pandore qui avait une première occasion de partir dans la profondeur. Alors pourquoi allons-nous parler de Dominique Pandore et de Lucas Ocampos? Pourquoi ces deux joueurs ont un destin qui sont liés, et pourquoi le Paris FC est-il lié à cette histoire au même titre que l'Olympique de Marseille, Gabriel? Ah, est-ce que c'est un quiz, c'est une question pour les gens qui nous écoutent, ou je réponds tout de suite? Ça, c'est la vraie question que je vais te poser. Eh ben, on va faire ça dans quelques instants, puisque merci aux 30 mètres, une frappe tentée et cadrée. C'est arrivé directement dans les pieds d'Alexis, dans les pieds et même dans les mains d'Alexis Thébault. Ça arrivait dans ses pieds, mais il capte bien avec ses mains, voilà. Faut le dire comme il faut. Voilà, c'est un ballon capté par Alexis Thébault. Et merci surtout tenter sa chance du pied droit. Donc pourquoi Dominique Pandore, Gabriel? Ah, je pourrais répondre parce que, mais comme je suis pas un connard jusqu'à l'infini, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, c'est que l'histoire est absolument dingue. Comme on en a rarement vu, même si des gens ne me croient pas encore, je vise personne de chers nos auditeurs, c'est que l'année dernière, Dominique Pandore est resté 2 jours au PFC sous un prêt de forme de l'AS Monaco. On remarque encore depuis un partenariat d'ailleurs entre le Paris FC et l'AS Monaco. Faut bien se rattraper. Voilà, c'est ça. L'Olympique de Marseille voulait se faire prêter avec option d'achat Lucas Ocampos de l'AS Monaco, sauf que Monaco avait déjà prêté trop de joueurs dans notre club. Du coup, il fallait enlever le dernier prêt, ou ils ont demandé à enlever le dernier prêt, qui était du coup celui de Dominique Pandore au PFC. Du coup, il est retourné à Monaco pour qu'Ocampos puisse signer à l'OM, avec l'accord du PFC, évidemment. Évidemment. Et surtout, Ocampos avait une clause à 10-12 millions en cas de qualification de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, une clause qui a quand même été élevée pour l'Europa League. C'est pas une si mauvaise idée que ça. Donc, je ne défends pas parce qu'il vient de River, évidemment. Finalement, les monégasques peuvent dire merci au Paris AC, puisque sinon, il n'y aurait pas eu autant d'argent qui serait rentré dans les caisses de l'ASM. Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi, voilà pourquoi Dominique Pandore est donc une star, malgré lui, du côté du stade Charletti. Et à noter qu'il a quand même fait un essai au Hotstar en plus cet été. C'est-à-dire qu'il a été à l'essai un peu partout dans les clubs franciliens, mais pas au PSG. Ça m'aurait étonné d'ailleurs. On sait jamais. Allez, merci, à une trentaine de mètres du but pour un coup franc sur le côté gauche. Ça arrive à entrer la surface, c'est prolongé par la tête de Richard Socrier directement sur le côté droit. Ça arrive sur Lopi, l'ancien Sochalien, qui tente un centre en première intention en pivot. Il a été contré par la défense parisienne, en l'occurrence par Dylan Bamboula. S'offrira le premier corner de la rencontre à cette équipe de Boulogne-sur-Mer. Un corner sur le côté droit qui sera frappé justement par Xavier Mercier. Mercier est l'un des 5 rescapés de l'an dernier. C'est un effectif à 24 joueurs. Boulogne a quand même changé 19 de ses éléments. Mercier fait partie donc de ces joueurs qu'on a vus l'an dernier. Il nous avait fait forte impression dans ce championnat national. On pensait qu'il aurait pu aller un petit peu plus haut. Finalement, il est toujours à Boulogne. Et il frappe ce corner directement au second poteau. Joseph Lopi a tenté une reprise en pivot. Ça reviendra finalement au second poteau avec Nyongbo qui a ce ballon. Il va essayer de fixer Sébastien Cantini pour centrer de son pied droit. Ça arrive directement sur la tête de Thiel. Et l'ouverture du score pour Onaza. 9ème minute de jeu de Grégory Thiel. Suite à ce corner qui était bien frappé par Xavier Mercier, Nyongbo au second poteau sur le côté gauche a pu revenir sur son pied droit, adresser un centre parfait à cette star boulonnaise, et le centre qui arrive parfaitement au point de pénalty sur Grégory Thiel. La tête décroisée au premier poteau va rentrer au ras du montant droit d'Alexis Thébault, et le Paris FC est déjà mené par Boulogne-sur-Mer dès la 9ème minute de jeu. Petit Grégory Thiel qui fait part de son jeu de tête, son grande expérience sur cette action. C'est vrai que sur l'action d'agent d'avant le corner, où j'ai aidé, on n'a pas dit attention danger pour me fouetter jusqu'au bout et avant de regretter qu'on ait pris un but, c'est que Boulogne a déjà mis un grand danger, et on sent encore de la frilosité, on va dire, côté parisien sur ses coups de pied arrêtés. Très fébrile là, les Parisiens, vraiment très très fébrile.
Alors que Boulogne est quand même assez efficace, hein, sur les coups de pied arrêtés. Mais maintenant, la donne est simple, il faut réagir, il faut marquer. On ne peut pas aller chercher le 0-0 avec une séance de tir au but. Il faut vraiment marquer dans le jeu là. Il faut être performant dans ce compartiment là. Alors que Romain Grange adresse un centre rapide dans la surface de réparation renvoyé par la défense boulonnaise derrière une tentative assez approximative. Mais c'est la première du match quand même des Parisiens de la part de Baboy Traoré. Et Boulogne ressort très rapidement les ballons dans les couloirs. On a recherché Mercier, on a recherché Grégory Thiel. La vitesse de ces deux joueurs pourrait vraiment poser beaucoup de problèmes aux Parisiens. Ah, beaucoup de problèmes effectivement. Et je parlais d'une façon aussi d'être détendu. Hein. Boulogne n'a pas tellement de pression en venant ici. Le championnat est certes une priorité pour eux parce que quelconque descente en CFA ce serait difficile. Mais voilà, ils ont su faire part de leur expérience. Ça part d'un corner de Mercier, encore une fois très bien tiré. Grégory Thiel hein, qui a déjà marqué 4 buts cette année en championnat, 4 buts en 13 matchs. Et donc buteur ce soir face au Paris FC. Attention Médigeant qui prolonge très mal ce ballon. Et Thiel qui arrive dans la surface de réparation, la balle de 2-0, c'est le nom. Oh Grégory Thiel, le doublé en 2 minutes de Grégory Thiel qui permet à Boulogne de mener à la 11e minute de jeu sur le score de 2-0. Grégory Thiel sur ce long ballon dans la profondeur par Gien à reprendre ce ballon qui est très mal repris de la tête par l'international Médigeant. Il arrive dans la surface légèrement bousculé tout de même dans le dos par un retour parisien. Il garde ses appuis et il va juste à Alexis Thébault qui était couché avant même qu'il ait frappé. 2-0 à la 11e minute de jeu. Et là c'est un cauchemar pour les Parisiens. Ah bah c'est génial. C'est bien, on continue les semaines les unes après les autres, c'est absolument magnifique. Là, c'est pas possible de prendre ce deuxième but parce que Thiel, évidemment, je parlais d'expérience, mais encore le geste là, de l'attaquant Alexis Thébault, c'est très bien vu de la part de l'attaquant boulonnais. Et Boulogne, bah, pour le moment, voilà, mène 2-0 après un tout petit peu plus de 10 minutes de jeu. C'est un scénario qu'on a quand même vu dans ce 8e tour de Coupe de France, c'était en 2011, avec Boulogne qui se baladait à Chain-Léty, alors qu'à l'époque, Boulogne était 18ème de Ligue 2 et le Paris FC juste devant la zone rouge. Là la situation est complètement inverse, c'est le Paris FC qui est 18ème de Ligue 2, Boulogne juste devant la zone rouge, mais c'est quand même Boulogne qui arrive à prendre les commandes du jeu et à mener rapidement 2-0 dans ce match. C'est ça. C'est finalement c'est comme si les stats restaient les mêmes peu importe la division. C'est assez incroyable là, de voir les Parisiens être aussi amorphes dans les premières minutes et laisser les Boulonnais développer leur jeu. On sait que les Parisiens n'ont pas forcément concentré leur préparation sur le jeu de Boulogne, qui se sont vraiment recentrés sur eux-mêmes, qui voulaient prendre conscience de leur capacité, voir comment ils pourraient réagir, comment ils pourraient aborder ce match. Mais ils sont complètement passés au travers des 10 premières minutes sans voir que Boulogne proposait du jeu, alimentait très rapidement les couloirs. Et là, ça fait déjà 2-0 pour l'USBCO. Ah, surtout c'est que le duo Mercier-Thiel c'est quand même l'arme forte des Boulonnais et c'est des joueurs qui pourraient jouer finalement intrinsèquement en Ligue 2, c'est sûr et certain, ils ont la qualité et quand on sait que c'est la Coupe de France évidemment ça joue et là on l'a à nouveau avec Tico Keita qui va accélérer et tenter quelque chose et très bon retour malgré tout, en tout cas retour intelligent même s'il y a faute, ce n'est pas forcément le truc le plus évident de Rémi Bonenfant. Et sur cette action, on a vu que Keita un petit peu poussé le ballon loin, le PSC a du mal à trouver justement sur les côtés ses latéraux, que ce soit Keita, Grange et Charrier. Et le Paris FC qui cette année avait déjà encaissé 3 buts dans le premier quart d'heure, on est donc à 5 maintenant en comprenant la Coupe de France et ce coffrant à distance de Romain Grange, frappé tendu, très facile pour les Boulonnais et le jeu long là qui est tenté par un joueur de l'USBCO et totalement manqué. C'est une récupération parisienne et un ballon dans les pieds de Koke Keita pour Romain Grange dans sa moitié de terrain. Ah là on va essayer de voir justement les Parisiens réagir comme ils ont toujours dû le faire maintenant depuis le mois d'août. C'est ça qui est compliqué. On parlait de se refaire psychologiquement, là c'est absolument pas le cas avec ce genre de situation. Voilà, j'ai du mal à passer complètement au travers. Ah, la glissade de Baboy Traoré, ça va déjecter légèrement le ballon. Ou ça va être dangereux là, puisqu'il perd le ballon à 40 mètres et les Boulonnais s'entendent pas vraiment là sur le jeu long. Ce sera quand même sauvé de la touche. Non, Grégory Thiel finalement, on reste le ballon, mais avec un petit effet rétro, sort en touche Romain Grange qui effectue rapidement la touche dans l'espace, dans la profondeur pour essayer de retrouver Richard Socrier. C'est une bonne intervention de Thierry Argelier, l'ancien cristolien, pour sortir ce ballon dehors des limites du terrain. Romain Grange à nouveau pour une touche rapide avec, me semble-t-il, Bukundjika. Jusqu'à Baboy Traoré qui remet pour Médigeant là-bas sur la droite. Médigeant
qui va chercher Dylan Bamboula. Il faut essayer de combiner, d'accélérer côté parisien. Voilà, jouer relâché finalement, il n'y a que ça à faire. Babaï Traoré a écarté complètement sur la gauche pour Romain Grange là-bas. Attention au départ là de Koke qui est allé en profondeur. Finalement Grange revient dans l'axe avec Idriss et Chergui. Et Chergui qui est quand même bien bloqué par la défense boulonnaise. Des Boulonnais qui sont très bien en place dans ces premières minutes de jeu, qui ne sont pas du tout fébriles défensivement. On distingue nettement la ligne de 2 avec Mercier et Grégory Thil. On voit la ligne de 4 au milieu de terrain, la ligne de 4 en défense. Difficile d'aller prendre les intervalles, difficile de s'engouffrer et donc difficile pour les Parisiens de proposer du jeu. On est obligé de changer l'enjeu dans l'autre latéralité avec Cantigny pour l'instant dans la surface. Tête d'Argelier au point de pénalty pour sortir le ballon et un contre qui pourrait pourquoi pas partir maintenant avec Pandore qui tente l'une-deux, qui le réussit. Bonne combinaison avec Mercier. Pandore qui a tenté par contre le double contact pour un petit pont sur son vis-à-vis dans le couloir là à l'opposé qui était Babaï Traoré. C'est un peu présomptueux de la part de Dominique Pandore, surtout que derrière, Socrier récupère le ballon avec, dans le rond central, Idriss Eschergui. Eschergui sur sa gauche pour Romain Grange, essaye de combiner. Voilà, avec Richard Socrier qui remet derrière Romain Grange, c'est pas forcément le bon choix, mais les Parisiens gardent le ballon. Et Eschergui va entrer dans la surface, là-bas côté gauche, la frappe d'Eschergui, ça passe devant tout le monde. Ah, Socrier n'a pas pu la toucher. Et ça finira en 6 mètres pour Boulogne. Alors c'est bien qu'on essaie un petit peu de combiner, de se relâcher, c'est ce qu'il faut faire côté parisien, mais attention à bien faire le bon choix aussi. 16ème minute de jeu, 2 à 0 pour Boulogne. Si vous nous rejoignez maintenant sur Jouant de Sport, début inscrit par Grégory Thil au 9ème et 11ème minute de jeu. S'il veut égaler la perf de Alexis Allard, merci. Il a encore 3 minutes. Mais c'était 2 en première mi-temps et 1 en début de la seconde, non? Non. Ah non, c'est dans la même mi-temps? Non. Voilà. Alors d'ailleurs, il y a un débat sur le premier but. Certains ont considéré que c'était un contre son camp d'Ibrahima Faye, d'autres l'ont accordé à Alexis Allard. Non. Ouais, pour pouvoir faire dans la presse le titre triple A. Boulogne garde son triple A. Ça tenait plus. Allez, Tico Roqueta. Merci pour le jeu de mots. Et Eschergui. Bah oui. En essayant de prolonger un petit peu dans le couloir de départ encore de Koke Keita, mais la bonne intervention de Dominique Pandore. Pandore qui va remiser sur Joseph Lopi, c'est un peu trop court. Bonne récup des Parisiens avec Eschergui qui va essayer de déployer du jeu. Babaï Traoré là au 30 mètres. Traoré qui a une solution dans le couloir. Il l'a vu qu'il avait Dylan Bamboula qui était disponible. Bon contrôle. Il aurait éventuellement la montée de Cantigny. Il veut dédoubler avec lui, mais il faut que les remises soient juste quand même. Un dédoublement comme ça dans le couloir avec deux joueurs qui sont côte à côte, ou presque. Cantigny qui est juste devant. Bamboula arrive à mettre en 6 mètres. Oui, c'est donc, joli. On se répète encore une fois, la justesse technique, à un moment, il faut qu'elle arrive. Ah oui. Ah bah là, elle est pas venue. Là, elle est pas venue du tout. J'ai du mal à comprendre comment, sur un dédoublement comme celui-ci dans le couloir, avec une remise qui est quand même loin d'être compliquée, on arrive à avoir un ballon qui sort en 6 mètres. J'ai du mal à comprendre, hein, mon cher Gabriel. Moi aussi. Mais tu sais, si j'essaie de tout comprendre de ce qui pouvait se passer dans le foot des fois, y compris ici, l'aspirine, tu nous auras offert déjà quelques cas géantes. Allez, Babaï Traoré à 30 mètres. Ouais, qui a vu le départ de Bamboula. Bamboula contre le poitrine en surface de réparation. Il se fait parfaitement enlever le ballon par Cédric Fabien. Et semble, monsieur Tual, indiquer en haut 5m50. Oui, c'est ça. Bon, ça aurait été sévère, penalty quand même un peu, non? Ouais, il me semblait plus que Fabien avait prolongé ce ballon, il l'avait touché en dernier. Non. Il me semblait. Sûr? Ouais. Allez, monsieur Tual, on va lui faire confiance. Oui. On peut, en même temps, arbitre tellement expérimenté dans le football français. Donc, nouvelle balle pour Navo au 5m50, 18ème minute, 2 à 0 pour l'USBCO. Et le renvoi qui va arriver directement sur la tête de Mehdi Jean. Vraiment fautif hein, sur le deuxième but, Mehdi Jean. Beaucoup trop court, beaucoup trop facile. Sur un duel aérien où d'ailleurs il n'avait pas vraiment de duel, hein, il était seul pour aller chercher ce ballon de la tête, il prolonge de l'arrière du crâne, il met ce ballon derrière lui, Hervé Liboyi qui s'impose pas vraiment au physique et donc le deuxième but boulonnais alors que Mercier va encore une fois progresser aux 30 mètres, un appui dans l'axe avec Simon Ebras qui aura peut-être une solution pour jouer sur le côté droit de Dominique Pandore, le bon contrôle du Martiniquais pour essayer de rentrer dans la surface de réparation avec ses petits dribbles, il arrive dans la surface, Mercier dans la surface, seul la remise de retrait et Dominique Pandore pour le 3-0 à la 19ème minute. Boulogne se balade à Charletti sur un 8ème tour de Coupe de France face à une Ligue 2 et en plus c'est Dominique Pandore qui est passé que deux jours au Paris FC l'an dernier qui arrive au second poteau et qui va crucifier Alexis Thébault. 3-0 à 19ème minute. Je pense qu'on peut dire que ce match est quasiment terminé. Alors d'ailleurs, excuse-moi de te couper Gabriel, ce n'est que la quatrième tentative boulonnaise depuis le début du match. Quatre tirs, les quatre sont cadrés, ça fait 3-0. Vraie question, est-ce qu'on considère qu'il marque chez son ancien club?
Ah, là, j'ai posé une sacrée colle. Hein. On a rarement vu ça. Bon, voilà, bah, c'est pas Thiel. Non, mais 19ème minute. J'avais annoncé. Oui, oui. Hein, fallait 19ème, mais c'est Pandore. Ah, c'est pas Thiel. On a loupé de stats. Il a encore du temps pour égaler le record sur le 4ème ou... C'est jamais. Là c'est foutu là. C'était 19ème ou rien pour Grégory Thiel. Bon, on va quand même espérer que les Parisiens reviennent dans le match. Allez, Romain Grandjean à la surface de réparation. Très belle intervention de Rémi Bonenfant qui va tacler et mettre ce ballon au corner. Ce sera le premier corner de la rencontre pour les Parisiens. Maintenant, espérons la magie de la coupe. Espérons qu'elle opère avec un sursaut parisien, un réveil. Quelque chose de positif dans cette rencontre. Romain Grange pour ce corner et Thomas Navo qui va être un petit peu trop court pour boxer ce ballon. Ça reviendra tranquillement sur Romain Grange en retrait avec Bukundjika qui va essayer de mettre ce ballon dans la surface de réparation. C'est totalement manqué. Tout comme ce dégagement là qui a été effectué, tenté par Nyongbo. On reviendra finalement sur le côté droit de Dylan Bamboula. Quelques passements de jambes. L'accélération de Bamboula qui va essayer de revenir en retrait sur Bukundjika avec la montée sur le côté gauche de Tikon Keita. Les Boulonnais qui sont très bien en place, bien aligné, et toujours pas de possibilité d'aller chercher les intervalles pour les Parisiens. C'est ça, bah, le PFC Tournier a complètement la tête sous l'eau, voire tout le corps là, c'est qu'on a noyé tout ce qu'on pouvait du côté de Boulogne. On fera des matchs parfaits aussi, hein, faut le souligner, hein, ça arrive tout autant, c'est tout autant le PFC qui est mauvais que Boulogne arrive à faire quelque chose de très bon. Mais ils mettent tellement plus d'intensité, tellement plus d'envie dans les duels, c'est incroyable de voir les Parisiens autant sombrer ce soir en 20 minutes. En 20 minutes! Ouais. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et je vais insister, Gabriel. Hein. Je vais vraiment insister. Boulogne, cette année, en national, c'est seulement 6 buts inscrits à l'extérieur. C'est la 12ème attaque extérieure. Donc là, ils jouent quand même face à une Ligue 2. Ils ont marqué quasiment autant que face aux autres en national. Quoi. En 8 matchs, c'était 6 buts à l'extérieur en national. Là. En 20 minutes de Coupe de France à Charletti face à une Ligue 2 qui est Paris FC, ça en fait déjà 3. C'est ça, donc on voit qu'avec Citébo se prend la tête. Les Boulonnais sont vraiment très bien dans leur match. Tactiquement, c'est parfait. Dans les intentions, c'est parfait. Dans le jeu, c'est parfait. Ça combine rapidement en une touche, deux touches de balle, grand maximum. Mais il faut se poser des vraies questions sur les Parisiens ce soir. Ah bah là, mais moi je Il faut vraiment se poser des questions sur ce que font les Parisiens. Moi je considère que c'est un scandale. Hein. Je le montre pas dans Moa parce que bon, bah voilà. Parce qu'on te voit. Parce qu'on te voit déjà. Oui, aussi. Mais je rassure tout le monde, je considère que c'est quand même un scandale. Et les chants amicaux pour les Cristoliens sont aussi très sympas. Oui. Et les cops se répondent. Bon, tout va bien. Et Rémi Bonenfant qui sort quelques instants. Elle a été légèrement touchée dans la surface de réparation sur. Sur un duel assez musclé, léger saignement pour lui. Il va donc être soigné sur la touche. Boulogne momentanément à 10. 23ème minute, 3-0 pour Boulogne. Sur 4 tirs, les Boulonnais ont marqué 3 buts. Moi je fais des. On se regarde en tribune, on se dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça. On se fait des têtes en disant c'est fou, c'est ouf, c'est complètement dingue. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ils vont revenir 3 ans en arrière, je le disais avant le match, mais j'imaginais pas jusqu'à ce point là. J'imaginais, honnêtement, je pensais vraiment que Boulogne pouvait faire quelque chose. Je te l'ai dit, Julien, plusieurs fois que je le sentais pas. Mais alors vraiment le même scénario, enfin style. Ou alors là. Putain, si on tombe sur Boulogne une fois, je viens plus. Et je vais insister, hein, ce n'est que le troisième match de Dominique Pandore avec Boulogne, toutes compétitions confondues. Mais. Voilà, tout va bien. Allez, Soucrier pour Bamboula sur le côté droit de la surface, un centre contré. Les Parisiens ont joué très tranquillement cette action avant d'accélérer au dernier moment pour aller chercher Dylan Bamboula en bout de course. Il va obtenir un corner, c'est le deuxième coup de pied de coin parisien. Il sera frappé par Idriss Eschergui. Corner rentrant à venir. Vraiment... Alors que, alors attends Gabriel, ils sont quand même à 9 là les Boulonnais, le corner, et c'est arrivé directement sur Navo. Ils sont 9 puisque sur la touche, hein, c'était finalement Lucas Rougeau qui était soigné et non Rémi Bonenfant, mais aussi Argelier qui est sur la touche. Les deux Boulonnais en fait se sont télescopés et les deux saignent, donc ils sont quand même à 9 là les Boulonnais, ils sont à 9. Ah mais c'est fair play, là c'est une chance.
Merci quel Gabriel. Ils sont 9 boulonnais. Là, c'est plus qu'un power play en NHL. Hein. C'est le moment. C'est vraiment le moment pour les Parisiens. Effectivement, j'avais pas pensé au quai dans cette façon de faire. Mais là, les Parisiens vont devoir vraiment aller dans ce jeu de l'attaque-défense et aller pilonner la cage de Thomas Naveau. Ils sont obligés. Non, t'as autant l'impression que c'est quand t'as deux cartons jaunes sur un match de rugby, tu sais. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Surtout que Lucas Rougeau est quand même reparti au vestiaire. Il va y avoir un changement du côté de l'USBCO puisque Rougeau ne va pas pouvoir reprendre sa place. Et puis là, on a un petit, même un gros, gros strap pour un joueur boulonnais qui est Thierry Argelier. Donc là, Boulogne, pendant deux bonnes minutes, était à 9 contre 11. Le Paris FC ne s'est pas procuré l'occasion, n'a pas vraiment essayé d'en avoir une. Voilà. Alors, mais tout va bien. Donc, il n'y a pas 5 minutes de temps additionnel, il y a un changement. Lucas Rougeau va être remplacé par Eric Van Den Abelhoff. À la 26e minute. Et le retour, alors qu'il a un bon strap sur la tête, alors qu'il est repris par monsieur l'arbitre assistant, de Thierry Argelier. Bonne précision, monsieur l'arbitre assistant. Oui, bah oui. Puisqu'on vous rappelle que Olivier Tuel est au centre, assisté de Mathieu Lombard et de madame Manuela Nicolizzi sur l'autre côté de la touche. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est un bon cauchemar que je suis rentré en vif comme tous ceux des semaines précédentes. Donc voilà. Alors Gabriel Aumont est quand même, faut le dire parce que vous ne voyez pas tout sur cette tribune de presse du Stade Charity, comme chambré par certains confrères, puisque Gabriel affiche ses préférences, hein, il est supporter du Paris FC, ce qui n'est pas mon cas heureusement, parce que sinon ce soir j'aurais de gros problèmes, aussi bien personnels que conjugaux limite, en rentrant chez moi, mais les autres confrères qui donc connaissent bien Gabriel Aumont se permettent de lui faire des petits coucous à distance. Bah, je peux les rassurer, j'aurai bien des troubles de l'érection toute la semaine prochaine. Bah parce que là... Faudra que tu consultes. Ouais. Brigitte, je vais t'appeler. Faudra que tu consultes. Peut-être d'autres clubs aussi, hein, voir s'ils ont besoin de supporters, des clubs qui ont quelques résultats. Enfin, faudrait peut-être que tu envisages une conversion. Peut-être supporter du Red Star. Je sais pas, tu pourras te convertir. Mais... Non, mais Boca Junior, pourquoi pas. Non, il y a le mondial des clubs aussi qui arrive avec River. Bon, entre des joueurs qui se foutent sur la gueule, une élection à la Fédé Argentine, on n'est pas foutu de. On a 76 bulletins pour 75 ans, tout va bien. J'ai l'impression que le football, c'est une troisième dimension en ce moment pour nous. Il y a des failles spatio-temporelles aussi avec le Paris FC. Hein. Oh là, c'est des failles, on a trouvé une autre galaxie. Là, il y en a des grosses, hein, puisque Dominique Pandore s'est engouffré dans la faille, mais avec un autre maillot. Bleu, mais boulonnais. Et Pandore s'amuse. Il s'amuse ce soir face aux Parisiens. 28e minute de jeu, score de 3-0 pour l'US Boulogne-Côte d'Opale. Et les Boulonnais qui vont garder le ballon avec Joseph Lepied et Thierry Argelier. Un stadier vient de faire 2-3 pas de jongle avec le ballon, alors Charlie vient d'applaudir. Ça montre qu'il se préoccupe bien du match. Ah, totalement. Allez, Nyangbo sur la ligne médiane qui joue légèrement en retrait avec Simon Ebras. Le changement d'aile pour arriver directement sur Rémi Bonenfant. Première intention pour rejouer avec Merci. La petite aile de pigeon qui revient dans le rond central. C'est contré. C'est repris de la tête par Bobby Traoré avec Bukunjika qui peut rejouer sur Idriss Eschergi. Et rejouer sur la gauche finalement avec Romain Grange dans le fermé. Ah, avec Bukunjika, numéro 3 d'un soir, qui va décaler la balle sur la droite, Sébastien Cantini. Ah, tout de suite avec Baboy Traoré, on n'a même pas la demi-heure de jeu, j'ai l'impression qu'on a dépassé les 120 minutes. Et Richard Secret qui remet ce ballon pour personne. D'ailleurs, un changement se prépare à mon avis du côté du Paris FC. Sébastien Gondouin, l'adjoint de Jean-Luc Vasseur, se rapproche des joueurs parisiens à l'échauffement. Ça m'étonnerait pas qu'on ait une réaction avant la pause. Ah bah je sais pas ce qu'il faut faire là. Ça m'étonnerait pas. On va peut-être faire accélérer un petit peu l'échauffement là de Théo Pelnard et de Ahmed Mogni. Parce que là les Parisiens sont... Je sais pas où ils sont mais ils sont pas là. Je sais pas, vraiment je me demande. Ah bah moi je me demande aussi. Et alors qu'Olivier Tuel rappelle Baboy Traoré. Mais là, je pourrais presque avoir mon rêve, c'est-à-dire que je prends une licence rapide et je peux jouer, non? Comme ça, j'aurai mon match avec le PSG. Ah, dans tous les cas, tu seras pas qualifié. Ah merde. Je peux appeler Bouvard Grenelle rapidement, là. Non, mais vas-y, hein, mais score final, tu seras pas qualifié, je te le dis. Bah, quitte, si on perd sur tapis vert, c'est quoi 3-0, allez. Ouais, tu seras le chérisseur du Paris FC, ouais. C'est ça. Oh là là. Oh, le coup de bière, non, là, ça va beaucoup trop loin, là. Ça va beaucoup trop loin. Les Parisiens qui dégagent sur eux-mêmes. Qui offre quasiment une balle à Dominique Pandore. Là, on est bien là. On est bien.
Non, et ça va, c'est cool. Ce Paris FC est vraiment pathétique ce soir. Il est vraiment pathétique. Et les Boulonnais. Autant pathétique. Non, non, mais. Je sais plus ce que je dis. Non, mais honnêtement, Gabriel, est-ce que. Oui, honnêtement. Est-ce que Boulogne force? Est-ce que Boulogne a fait vraiment le forcing pour aller chercher le premier but à la 9ème? Non. Est-ce qu'ils ont fait le forcing? Je l'ai pas senti. Est-ce qu'ils ont fait le forcing pour avoir le 2ème à la 11ème? Non. Est-ce qu'ils ont fait le forcing pour avoir le 3ème à la 19ème? Non. Est-ce qu'ils font le forcing maintenant pour développer un contre avec Nyangbo et Mercier? Non. Les Parisiens se replient un peu plus par contre, ça c'est sûr. Mais Boulogne gère le match. Boulogne gère le match comme si c'était une équipe de Ligue 2, sûre de son fait, sûre de sa rencontre et avec en face une formation en difficulté en national. On a complètement inversé la donne. Je sais plus. Va te mettre au chaud, je vais finir tout seul, c'est pas grave. Là, honnêtement, alors ça va, j'ai du second degré, il faut bien en avoir quand tu supportes le PFC, de toute manière, depuis quelques années. Mais je me dis que c'est un scandale en fait, c'est surtout ça. Ouais, Tico Keita pour essayer d'arrêter un petit peu ce scandale. Qui déboule sur le côté gauche, qui va vouloir centrer au second poteau, mais ça va être renvoyé parfaitement par Cédric Fabien. Eschergui pour un second ballon qui prolonge de la tête. Bukundjika qui a hésité à prendre en première intention. Il revient finalement sur Romain Grange. Bukundjika à nouveau pour écarter sur le côté gauche de Tico Keita. L'ancien Guingampé qui peut contrôler, qui peut rester sur son pied gauche pour en mettre un sans-tendu dans la surface. Renvoyé parfaitement par la tête du nouvel entrant Eric Van de la Belle. Et ballon qui sort finalement en touche pour les Parisiens. Tu penses que si ce match change, on joue à Degrin, on prend 3 buts? Si t'en viens à regretter Degrin, c'est qu'on est bien. Non, je le regrette de toute manière. Mais voilà. Mais là, tout pas. Particulièrement. Ouais, je suis dépassé par ce qu'on voit. C'est tellement scandaleux. Enfin, c'est. Allez, Romain Grange qui essaie de remettre ce ballon dans la surface envoyé par les Boulonnais. Grégory Thil qui pourrait lancer un contre avec le soutien de Xavier Mercier sur sa droite. Le départ de Nyangbo sur le côté gauche. Finalement, il préfère attendre la montée de Dominique Pandore à droite qui se rapproche de la surface de réparation face à lui. Hervé Liboyi, Dominique Pandore, passement de jambe une fois, deux fois pour centrer la reprise de la part d'Excitebo. Sur cette reprise de volée de Simon Ebras, c'était très bien joué de la part de Pandore de temporiser un petit peu en fixant Hervé Liboyi. Le centre parfait est arrivé sur Ebras qui pourtant avait un défenseur parisien qui le collait. Il reprend de l'intérieur du pied. C'était une très belle reprise qui aurait pu rentrer dans le but parisien. Mais la parade d'Alexis Thébault pour éviter de sombrer encore un petit peu plus ce soir face à Boulogne. S'il y avait un quatrième, je partais vivre à Beyrouth. Faites super bon falafel, de toute manière là-bas. Donc de toute manière, je serais très bien. Est-ce que c'est pas finalement la plus grosse. Enfin, pas claque, parce que des fois, t'attends un événement, t'as une claque, mais genre là. Le match est plus pourri. Mais non, tu noteras Gabriel et nos chers auditeurs de Jour de Sport vont pouvoir apprécier cette petite séquence, cette belle image, comme dira Christian Jean-Pierre. Ah, c'est vrai qu'il y a la caméra, c'est que là, putain, merde. Tiens, sur les bancs de touche, on a tiré Arjulier là qui remontait, qui prenait une consigne, mais juste après, passe manquée d'un joueur boulonnais. Le Mignon était exaspéré de voir cette passe manquée. Il vit ce match à fond, mais là il. Comme s'il était mené, qu'il fallait que ses joueurs soient plus précis, plus dans la technique. Pour Boulogne, c'est magique. Allez, avec ce ballon, dévié, ce sera. Non, finalement, ça revient. On fait d'optique Noudra pour Romain Grange dans la surface là-bas. La frappe de Romain Grange du gauche, ça va être capté. C'est même un centre. Hein. Alors, quand je disais pour Boulogne, c'est magique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une superbe après. Enfin, c'est super. Hein. C'est très bon, ouais. C'est super. Mais, pour eux. Mais Stéphane Le Mignon s'agace dans sa surface technique. Le Mignon est agacé de voir certaines passes manquées de ses joueurs, un repli qui est raté, alors que Jean-Luc Vassin discute avec Sébastien Gondouin et montre pas de signe d'agacement. Il est simplement debout, abattu, si le limite veux, Jean-Luc Vassin. On s'attendait justement à avoir un Vasseur qui allait montrer un peu son énervement, sa colère, et avoir Le Mignon plutôt tranquille, plutôt serein. C'est finalement tout le contraire. Alors qu'il y a une nouvelle passe là dans la profondeur pour Simon Ebras qui est tenté par le buteur du soir qui était Grégory Thil. Ça a été totalement manqué. C'était même Mercier, pardon, sur cette action qui avait tenté passe dans la profondeur. Et les Parisiens qui essayent en contrant dans les couloirs, encore une fois à droite avec Socria, la lutte avec Argelier qui peut jouer en retrait avec Sébastien Cantilly qui manque un peu son contrôle. Cantilly complètement arrêté, qui n'a pas de solution devant, qui est obligé de rejouer derrière avec Baboy Traoré. Ah, Baboy Traoré à nouveau pour Dylan Bamboula. Baboy Traoré, on sent qu'il essaye un petit peu justement de révolter avec ce centre, pourquoi pas là-dessus. Elle fait même ça dégager par la défense boulonnaise, alors qu'un changement se prépare effectivement du côté parisien. Avec à nouveau Idriss Chérigan, on essaye de combiner, ça donnera rien. On va revenir sur Dylan Bamboula là-bas dans la surface.
Et avec Argelier face à lui, il va faire faute à retirer Argelier. Alors, effectivement, alors, changement, c'est vrai, par du côté parisien. Là, je vois pas d'ici qui risque de rentrer. Ça doit être Ahmed Mogni. Ahmed Mogni. Ahmed Mogni qui va faire son entrée en jeu. 35e minute de jeu. 3-0 pour Boulogne. Ici à Charletti Faso, Paris FC. Nos supporters boulonnais hein, qui nous écoutent ce soir. Je pense notamment à tous ceux qui sont sur le forum Planète USBCO, hein, qui ont fait un grand coucou ce soir. Ils doivent être très heureux forcément de voir que finalement les 8e tours à Charletti se suivent et se ressemblent. Je serai à leur place. Mais là, les supporters parisiens qui nous écoutent, je pense qu'en fait, ils ont arrêté de nous écouter depuis un petit bout de temps. Donc finalement, amis boulonnais, restez. Hein. Vraiment, vous menez, vous êtes bien. Restez encore un petit peu sur Journée de Sport. Surtout que là, Ahmed Mogni va rentrer en jeu. On va peut-être avoir du véritable changement du côté parisien. Mogni qui est la solution offensive hein, du Bantouche, puisque Nicolas Fauvergue est absent ce soir. Petite blessure, on pense entre autres à Ayari, à d'autres joueurs hein, qui sont blessés, qui remplissent l'infirmerie parisienne, alors que Tico Roqueta récupère encore une fois un ballon sur le côté gauche. Tico Roqueta est peut-être l'un des seuls joueurs parisiens qui ne participe pas au naufrage de ce soir. Ouais, c'est ça. Parisien qui essaye à nouveau de combiner là-bas, mais pas forcément, on se replie bien. Tout à l'heure, si Boulogne défend bien, ça devrait le faire. Vu la forme parisienne, et là, Dylan Bamboula là-bas sur droite, il est passé avec un passement de Jean-Mi, l'accélère, il continue. Bamboula, il est tout seul, il va pas avoir la solution s'il se crée une touche de balle, et ça donnera rien du tout. À part une touche pour le PFC, on pouvait espérer mieux quand même vu la montée de Dylan Bamboula. Oui, qui dédouble, qui combine avec Contini sur le côté droit, mais quand tu vois que Contini est à 1m5 et quand il dédouble, ça finit en 6 mètres, vous voyez qu'il continue tout seul. Hein. C'est ça. Là, au moins. C'est quand même impressionnant de voir ce Paris FC être aussi amorphe. Et se réveiller par séquence avec du gelon. Tico Roqueta, justement sur gelon, qui peut s'entrer devant le but. Et c'est envoyé par la tête d'Eric Vandenabelle. Il y avait une belle opportunité pour les Parisiens. À chaque fois, sur de la bascule, sur du renversement de jeu, en arrivant sur Tico Roqueta. Centre en première intention qui finit en corner, qui sera frappé par Idriss Eschergui. Et le changement parisien sera effectué dans quelques instants. Ahmed Mogni n'est pas encore prêt à un international comorien à faire son entrée en jeu. Là, allez, le corner, Eschergui, second poteau pour Navo, c'est tranquille, c'est comme d'habitude. Alors, faut mieux les tirer, tout le monde penche au premier poteau, le ballon il est au second, c'est un peu bizarre. C'est pas une façon de se réconcilier avec son public ce soir. Pas vraiment, surtout que c'est la première sortie de Jean-Luc Vasseur à Charletti. Là, c'est pour question de divorce, t'as même pas la garde des enfants là, avec ça. Terrible, c'est vrai. J'ai envie de dire, faut sauver les meubles, hein, mais c'est ça. Rester en. Est-ce que les enfants font partie des meubles? C'est une vraie bonne question. On reparlera du divorce plus tard. Si tu veux, mais. N'appelez pas le 3216, hein, tweetez directement ouais. Au Mongab hein, pour poser vos questions extra sportives. Quoique le sportif, on le voit que d'un côté ce soir. Hein. Ah, donc là, quand le Paris FC a le ballon, c'est un peu extra sportif par moment. Même si on sent un peu mieux hein, les Boulonnais qui gèrent hein, depuis 10 bonnes minutes, on sent que le Paris FC reprend vraiment la possession du ballon. Essaye de jouer, mais voilà, passer les 40 mètres, ça devient un petit peu du roi football. On décroche, on essaie de rejouer sur un partenaire, mettre un peu de vitesse, mais les centres sont mauvais. Comme maintenant, Dylan Bamboula qui centre fort, à terre, devant le but, sans présence, sans partenaire. On va voir d'ailleurs quel est le joueur qui va sortir. C'est Bougondjika qui est remplacé par Ahmed Mogni à la 38e minute de jeu. Thalès s'envoie Gabriel au monde. Je suis désemparé, non, c'est vrai. Je suis désemparé. Voilà, je sais plus quoi dire. C'est une catastrophe cet après-midi. Wow, c'est aujourd'hui, ça peut. Je sais pas, allez, c'est de combien la cote du PFC pour revenir là? 38? L'argent a bloqué les jeux. Je te le dis. Ah, si quelqu'un parie, il y a une anomalie. Il va considérer que c'est une anomalie. De toute manière, tu peux pas parier sur les 8e tours de Coupe de France. Donc là, oui, il y a une anomalie. On va peut-être aller voir sur les sites polonais. À Singapour, on peut. Ouais, à Singapour, ouais. Ouais, pourquoi pas. Ah, attention quand même, parce que là, il y a un très bon compte qui va se préparer du côté de Boulogne avec la montée. Encore une fois, très efficace de la part de Grégoretti qui peut rejouer sur Mercier. Mercier, le centre de la surface de réparation sur mon poteau. Oh, la parade d'Alexis Thébault. Alors que c'était complètement manqué de la part de Tico Roqueta là, de remettre vers son gardien. Heureusement que Thébault n'a pas été prêt à contre-pied sur cette action. On n'était pas loin de voir un but gag. Heureusement que la position préférentielle était celle de Keita et que Thébault était bien placé dans sa surface. On était au bord du compte son camp. Merci, c'était bien là, c'était la pilule de cyanure.
le quatrième contre son camp. Non, mais il y a tellement d'espace. Après, forcément, le PSV va se découvrir. C'est ça qui peut être terrible, en fait, dans le sens. C'est que, évidemment, le PSV va se porter vers l'avant, même si c'est fait de manière complètement incohérente. Et l'espace, c'est tellement plus en confiance avec tout ça, et c'est tellement mauvais pour le moment que bon. C'est... Que voilà. Je sais. Ah oui, clairement, je perds la branlée. Si c'en est déjà une, bien sûr. Mais ah, mais là, branlée, c'en est une. Quand je dis ça, j'ai peur du set de Roland Garros, quoi. Ouais, effectivement. Effectivement. Allez, le premier ballon, la première montée, véritable là pour Pampoula à l'entrée de la surface. Mais sa frappe est contrée. Vraiment la première, voilà, la première percée de Diane Bamboula, celle qu'on attendait vraiment, mais toujours pas de tir cadré du côté parisien. On est à 4 tirs au PFC, 0 but, 5 tirs du côté de Boulogne, 4 cadrés, 3 buts. Et quatrième corner pour le PFC, troisième sur le côté droit. Changement de tireur d'ailleurs, c'est Romain Grange qui va frapper pour arrêter. Ouais, c'est vrai que sur les deux trois derniers, c'était pas à la grande confiance de la part d'Iris et Chevigny. Alors que là, il va aller le tirer Romain Grange, genre il prend son temps, ça aussi c'est peut-être dommage, il faudrait enflammer, alors au moins un but avant la mi-temps, ça donnerait d'espoir avec cette tête, peut-être que le second poteau là-bas sur un parisien, est-ce qu'il y aura une faute? Non, finalement Dylan Bamboula va le duel, va continuer, va pas lâcher le défenseur boulonnais, et il va obtenir la faute, bien vu pour le coup de la part de Dylan Bamboula, de pas avoir lâché sur cette action, il y aura un bon coup franc pour le PFC derrière. Ouais. Petit corner ouvert pour Romain Grange, c'est pas négligeable à 5 minutes de la mi-temps, à 5 minutes pour nous, journalistes, d'avoir la chance d'aller au chaud. Pour le supporter de continuer à geler, d'être pétrifié par cette rencontre. Et puis on regrette aussi qu'il y ait l'interdiction de déplacement encore une fois pour les supporters ce week-end, puisque là les supporters boulonnais auraient pu encore une fois assister à une belle rencontre de la part de leurs joueurs. Malheureusement, la Côte d'Opale... ne voit pas ses supporters partir ce week-end sur Paris. Allez, Grange pour ce coup franc, c'est mal frappé, c'est envoyé au premier poteau par Joseph Lopi, mais corner à venir sur le côté gauche pour le PFC. Cette fois-ci, Romain Grange va vraiment avoir son coup de pied de coin. Là, il va l'avoir, c'est plus près de nous cette fois. Il va le faire rentrant, Romain Grange. Ce corner, il va avoir encore de la taille, hein, et Hervé Liboy met du champ comme face à Créteil qui monte. C'est bien tiré, ça va revenir entre la surface finalement dégagée par la défense boulonnaise. Et attention, gros contre avec Xavier Mercier. Ouais, Mercier qui accélère, Mercier qui n'est pas du tout arrêté d'ailleurs par les Parisiens. Ah si, le retour d'Ahmed Moni. Ahmed Moni, mesdames, messieurs, qui revient alors qu'il est entré en jeu il y a 4 minutes. Hein. C'est lui qui va faire travail défensif et offensif pour mettre ce ballon. Romain Grange qui écarte sur Idrissa Chergui, entre la surface, ça frappe Deschergui du pied gauche qui va passer au-dessus. Et on a enfin une action parisienne avec du mouvement, avec de la vitesse, avec des décrochages, avec des appels. Enfin, une action, une vraie action à la 42e minute. Mais 3-0 pour Boulogne. Mais c'est le problème. Et ça fait 41 minutes de jeu. Enfin, une action, c'est aussi un peu long. Ah, c'est long. Oui, ça c'est. Ça c'est. Ouais, effectivement. Effectivement. D'ailleurs, depuis combien de matchs un joueur parisien n'a-t-il pas marqué? Eh ben écoute, c'est depuis Bourg-en-Bresse ou apparemment c'est... Non, ça a été attribué contre son camp. Okay. Donc je te repose la question, depuis combien de matchs un joueur parisien n'a-t-il pas marqué? Ça remonte tellement, alors je peut-être en 1986. Moi je te le dis, Ahmed Moni. Contre Niort, oui. Comme quoi. Ça remonte, hein. Ça remonte. Allez, Romain Grange sur le côté droit avec Sébastien Cantini. Cantini qui a ses partenaires un petit peu arrêtés. On cherche un peu de mouvement. Les Boulonnais ont mis un bloc un petit peu plus bas quand même. Là, ils sont vraiment mis en position pour subir et pour projeter du contre. A voir hein, si c'est pas un petit peu risqué aussi de passer sur cette configuration. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un changement du côté de Boulogne. C'est la sortie de Lucas en rougeau. Sur saignement remplacé par Eric Vandenabello. On n'a pas réussi à stopper les saignements de Rougeau après 2-3 minutes. Donc changement. Allez, continue dans la surface qui centre, qui aurait dû tenter la frappe à mon goût. Il était quand même assez continuer. Bien placé hein, pour frapper, voire avancer encore dans cette surface de réparation. Il était pile au 16m50, excentré sur la droite. Il a tenté le centre, il n'a pas levé son ballon. Et les Boulonnais obtiennent une touche quelques instants plus tard. On est à 2 minutes de la pause. Mais vivement que ça soit la pause. Hein. J'ai rien contre le fait que les gens nous écoutent, évidemment, au contraire. Mais là. Ah, t'en peux plus là. Attends, comment je te pas. Comprends. Je te comprends. Comment qu'il n'y ait pas l'inverse? C'est vrai que ça doit être délicat hein, quand on est supporter du Paris FC en ce moment, de ne pas avoir de résultats en championnat, d'espérer un petit parcours en Coupe de France et de se faire trimballer comme cela par Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de National, premier non relégable de surcroît. Mais bon, quand on sait que Boulogne réussit toujours contre le Paris FC. C'est pas non plus une grosse surprise. D'ailleurs, Gabriel, je veux pas te faire mal, hein, mais bon, Boulogne est quand même invaincu depuis 8 matchs, toutes compétitions confondues. Bah, c'est bien parti pour le rester.
Et en 8 déplacements à Paris, Boulogne a toujours marqué un but, sauf une fois où il y a eu un 0-0. Mais Boulogne a toujours marqué face à Paris, ou quasiment toujours. Ce soir ne déroge pas à la règle, loin de là, puisqu'en Coupe de France, on est à une moyenne de 3 buts par match pour l'USBCO. Et donc, la moyenne de buts par match, on vous donnait de l'espoir. La 3,5 à Paris, elle se confirme. Ah. Oui, monsieur. Génial, génial. Et oui, les stats, elles sont bien. Hein. Elles sont bien, les stats jours de sport. Les stats tout court. Bah, les 30 secondes avant la mi-temps. Et le ballon est revenu sur le capitaine Alexis Thébault. Médigeant qui revient dans le rond central avec Baboy Traoré, qui écarte un petit peu sur le côté gauche avec Romain Grange. On passe enfin à la ligne médiane avec un ballon dans les pieds de Tikon Roqueta. Quelques mouvements du côté parisien comme celui-ci de Dylan Bamboula, qui avait pris la profondeur derrière Eric Vandenabelle. Un petit peu trop juste là sur cette action. Vandenabelle dégage en touche, la touche pour les parisiens, donc avec Tikon Roqueta qui peut retenter le côté fermé avec Ahmed Moni. Finalement on avance de 2 mètres et nouvelle rentrée de jeu pour Tikon Roqueta dans le temps additionnel de cette première période. On aura une petite minute, a priori. C'est trop. Bah pour les saignements, ouh, elle est pas très belle hein, cette touche de Tikon Roqueta. Gentil monsieur Tchoual de laisser le ballon aux parisiens. Ouais bah il est pitié là, c'est un peu ça. Ouais, il a dû avoir un peu de peine là, cette touche était absolument pas conforme. C'était un jeté de ballon, un peu comme au water polo à la rigueur. Pas vraiment. Allez, continue dans l'intervalle. Très bon ballon, mais position de hors-jeu. Première. C'était bien vu de la part de Baboy Traoré quand même de vouloir justement casser les lignes comme ça, de trouver de l'espace de sa part là-dessus. On sent qu'il doit en avoir grosse patate, qu'on le connaît justement, Baboy Traoré qui était le joueur du mois devant par les supporters du PFC. C'est pas le jour à lâcher quelque chose, hein. Sous ce maillot-là, on rappelle à chaque fois. Pareil, tu vas venir par Ahmed Moni. Donc voilà, situation très compliquée. On va se diriger vers la mi-temps. Alors je sais pas si les murs vont trembler. Tu connais mieux Vassor que moi pour ça. Oui, voilà. Je te le dis, oui. Les murs vont trembler. Coup de sifflet de monsieur Tchoual qui va rappeler un joueur parisien. C'est Médigeant. Il va discuter un petit peu avec Médigeant. Il va nous faire rallonger cette première période, monsieur Tchoual. S'il vous plaît, on a envie de se mettre au chaud et éventuellement d'aller au sanitaire d'ailleurs. Donc on y est de toute manière. Hein. Au point où on en est, autant faire une petite confidence. Voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, monsieur Tchoual, libérez-nous, s'il vous plaît. Libérez un peu les Parisiens, allez les mettre au chaud, qu'ils soient s'engueuler pendant 15 minutes par Jean-Luc Vasseur et qu'on n'en parle plus, puisque là, c'est quand même indécent, c'est indigne d'une équipe professionnelle. Les Parisiens ne doivent pas l'oublier, ils sont pros quand même, ils sont en Ligue 2. Ah ouais, ils ont ce statut de professionnel qui le montre sur les 45 minutes suivantes et sur la toute fin du temps additionnel. Tikon Roqueta qui va essayer de remonter le terrain là avec une passe pour Idriss Eschargui. Le ballon qui est récupéré par l'USBCO et sûrement le dernier compte de la première période avec Dominique Pandor qui avait réclamé le ballon sur le côté droit qui est enfin servi. Dominique Pandor, oh le petit pont, qu'il est magique ce petit pont sur un Veli Boyi à l'arrêt, mais vraiment à l'arrêt. Dominique Pandor, contrôle du gauche, passe le ballon entre les jambes d'Hervé Boyi du droit. Li Boyi qui l'a emmené tout simplement à glisser avec Dominique Pandor dans les bras, hop, carton 45ème plus 2 ou plus 3 par là. Mais premier carton de la rencontre par Veli Boyi. Pandor, magique. Ouais, bon, magique. Pandor, hein. Contrôle sommet, clac, petit pont, grosse faute. Et dernier coup franc avec Mercier qui pique le ballon dans la surface de réparation. C'est vers Grégory Etil, c'est envoyé sur Dominique Pandor qui va manquer son contrôle. Et Romain Grange qui va laisser le ballon à Idriss Eschargui pour lancer un contre avec une passe qui va partir dans le dos de deux défenseurs avec un contre favorable pour Ahmed Moni qui arrive même à prolonger, mais ça arrivera dans les pieds de Cédric Fabien qui peut renverser sur la tête de Grégory Etil. Etil qui pensait remettre dans la course sur le côté pour Dominique Pandor. Pandor, ça devrait plutôt avoir le ballon arrivé sur lui et donc on renverse avec Romain Grange pour Dylan Bamboula. Ah, tu manques bon, son contrôle. Tu manques contrôle. J'ai même pas eu l'espoir autant de commenter une action puisque c'est la mi-temps derrière. Ce score de 0-3. Et voilà. Évidemment, comme vous pouvez l'entendre, je n'étais pas content. Si ça a été l'inverse, là j'aurais dit que c'est très étrange. Tu m'étonnes. Allez, on marque une pause, on se met au chaud, on revient pour les 45 dernières minutes de ce PFC Boulogne 3-0 pour Boulogne à la mi-temps.
de retour sur Jour de Sport pour ce Paris FC Boulogne-sur-Mer. 3-0 à la mi-temps pour Boulogne. Et tout est plutôt normal, Gabriel Aumont. Ah, normal, oui. Si tu considères que la normalité, c'est dans... Tu ne peux pas aller dans un sens anal, pour rester poli. Oui. Non, parce que là... non, mais c'est vrai. Oh non. Oh non. Gabriel, on est reparti pour 45 minutes entre le PFC Boulogne. Si vous mettez 3 buts, si franchement le PFC passe ce soir, est-ce que je le mets le maillot de Boca Junior? Oui. Ah oui, tu le mets. Allez, Bamboula. Allez, Bamboula, le sort de Bamboula. Cher Guy qui aurait pu couper la trajectoire. Attention, un compte derrière pour Boulogne. Dommage, après un montée Dylan, Bamboula, là au retour des vestiaires, était quand même très intéressante. Aucun changement à la mi-temps, mais en première période. Rougeau a été remplacé par Vandenabella, 26e minute, saignement, et à la 38e, c'est Bounjika qui a été remplacé par Ahmed Mogni, un changement véritablement tactique tenté par Jean-Luc Vasseur. Ouais, changement tactique par Jean-Luc Vasseur, alors que là, il signe une faute d'Idriss et Cherguir, quand même tout même Jean Boulogne pensait que... Enfin, Et Argelier était encore sorti, hein, avec son bandeau là. Oui, c'est ça aussi. Parce qu'à un moment, en première période, Boulogne a quand même joué à 9. Par pure charité chrétienne. Oui, voilà. Par pur saignement. Ouais. Boulogne avait joué à 9 quand même à un moment en première période. Allez, Ebras, pour remonter le ballon là sur le côté de Nyangbo à gauche. Sébastien Cantini s'interpose. Nouvelle touche pour l'USBCO avec Cédric Fabien qui peut jouer derrière sur Thierry Argelier. Pas vraiment gêné par son grand bandeau. Il peut jouer en retrait sur son gardien Thomas Navo. Et en fait, on est finalement, c'est vrai que vous voyez cette première occasion, un petit peu de révolte là sur ce début de seconde mi-temps de la part des Parisiens. Et franchement, moi, je sais peut-être un peu certes ce que je vais dire, mais je pense que s'ils ne marquaient pas sur celle-là, c'était mort en fait. C'est où on marque là tout de suite, ou tu marques pas. Et donc, dans ce cas, c'est mort. Surtout que Grégory Thiel et Mercier combinent bien pour remettre encore une fois le ballon sur Nyangbo. Nyangbo à l'entrée de la surface de réparation qui va frapper du pied droit, c'est contré, ça va aller directement en corner. Deuxième corner de la rencontre pour Boulogne. Corner pour Boulogne, j'ose même pas imaginer s'il y a un but là-dessus. Mais alors, même pas. Bah, tu vas voir. Je vais voir. Est-ce que je dois dire attention danger? Ouais, vas-y, prends la forme. Attention danger. Allez, le danger. Donc, avec Xavier Mercier. Passeur pour Pandore sur le 3-0. Il est bien frappé ce corner. Il est prolongé par une tête parisienne. Nouvelle chance pour l'USBCO de marquer le premier but en seconde période. Enfin, le premier, faut-il qu'il y en ait un dans cette seconde période. En tout cas, pour l'instant, c'est Boulogne qui a les opportunités pour aller marquer un but. Surtout que c'est encore bien frappé, c'est prolongé par une nouvelle tête. C'était la tête de Vandenabella, me semble-t-il. Et les Boulonnais commettent une faute à la sortie du ballon parisien, une faute sur Romain Grange. Le PSC va pouvoir souffler un petit peu. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quand même quelques spectateurs du Stade Charité qui ont dû se barrer à la pause. On peut les comprendre dans le sens. J'ai vraiment cette impression que les tribunes ont commencé un peu à s'éclaircir. Ils sont restés à la buvette hein, ou aux toilettes. Sans les dégueuler un bon coup dans la première mi-temps et voilà. Allez Chergui qui essaie de rejouer dans l'axe avec Romain Grange, décrochage pour mettre en retrait sur Baboy Traoré, toujours dans l'axe. Des attaques un petit peu trop axiales là des Parisiens, faut réussir à rejouer dans les couloirs, ce qui est fait maintenant avec Cantigny qui va peut-être pouvoir centrer dans la surface de réparation. Il a très peu de partenaires disponibles et forcément il va nous envoyer un ballon au second poteau pour Dominique Pandore qui est revenu défendre et qui dégage directement en touche. Non, faut pas cesser à battre malgré tout, même si c'est catastrophique. Non, faut pas cesser à battre. Non, mais faut avoir un petit cœur de tennis. Faut marquer. Non, faut pas cesser à battre. Thiel, 9ème, 11ème, Pandore, 19ème. Ouais, c'est ça. Premier non relégable en national qui vient t'en mettre 3 en 10 minutes dans les 20 premières minutes chez toi, Charletti. Non, c'est pas une catastrophe. Si. Faut pas cesser à battre. Non. Si. Non, mais non, faut même toi te laisser à battre. Bon courage, on prend 7. Hein. Ah, tant qu'à faire. Oh non. Faut voir autre chose en seconde période. Pour l'instant, on voit autre chose. Ouais. C'est clair. On voit des Parisiens qui essaient de jouer, qui essaient d'accélérer un petit peu. Comme maintenant avec Echargui qui remet sur, oui, sur Bamboula. Sauf que Bamboula contrôle, qui tente un contrôle de l'épaule, mais un ballon qui était beaucoup trop haut pour Dylan Bamboula. Forcément, le ballon pouvait pas non plus être facilement jouable pour lui. Alors que cette fois-ci, c'est me semble-t-il Koke Keita hein, qui fait le travail tout seul, qui perd le ballon après un rush de 30 mètres plein axe et qui va le rechercher 30 mètres derrière.
Et Tiquan Requeta, il est un peu seul au monde ce soir côté parisien. Alors oui, il y a quand même l'entrée d'Amed Mouni qui est intéressante, mais pour le moment, à part Koke Keita, il n'y a pas grand-chose à voir. Attention, Amed Mouni pour un centre contré par Argelier. Corner à venir pour les Parisiens qui ont obtenu là leur sixième corner de la rencontre, premier en seconde période. Mais c'est en fait, c'est bon, je sais pas, je partage, c'est quand même très scandaleux, hein, c'est le terme, tout ce qui se passe. Donc voilà, je pense que ça a tremblé dans les vestiaires. D'ailleurs, ça s'est senti sur l'attitude, à mon avis. Il s'est passé quelque chose dans le vestiaire parisien, et peut-être pourquoi pas là avec Romain Grange, ça a passé devant tout le monde, la tête de Medigian, finalement, s'est dégagé par les Boulonnais. Et ça va revenir sur Tiekoro Keita. Oh, Tiekoro Keita qui remet le ballon dans les pieds de Xavier Mercier. Heureusement que Keita est solide sur ses appuis et peut reprendre ce ballon et va même tenter la frappe de loin. Keita, ça va passer à côté du but de Navo. Il se rattrape particulièrement bien de ce ballon perdu dans l'axe. Ballon qui a été offert à Mercier. Mercier n'a pas su profiter de ce ballon. Et derrière, la frappe donc à distance qui a été tentée par Tiekoro Keita, mais qui a été totalement manqué. Dommage qu'il tente aussi la solution individuelle comme ça, qu'il se repose pas un petit peu plus sur le collectif en l'occurrence. Ah ça, il n'y a plus que le collectif là. Je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Après voilà, on sent que Boulogne a du mal. C'est vrai que le PFC démarre bien finalement, dans un sens, cette seconde mi-temps. Mais c'est le strict minimum qu'il faut faire après une première mi-temps d'une telle intelligence de la part des joueurs du PFC. Et Medigian qui va remonter le ballon au niveau de la ligne médiane, qui va s'appuyer dans l'axe maintenant sur Baboy Traoré avant d'écarter sur la droite. Cantigny contrôle poitrine plutôt bon pour rejouer en retrait sur Sébastien Cantigny sur Idriss Eschargui. Eschargui avec Bamboula. Bamboula qui peut accélérer. Rejouer éventuellement avec Cantigny. Le ballon est bien donné là pour Sébastien Cantigny. Le centre par contre étendu. Et les Parisiens réclament une main. Elle est collée au corps. Cette main d'Argelier. Il n'y a pas lieu de réclamer une main. Faut continuer les actions au lieu de réclamer les mains, de lever les bras. Il faut qu'ils jouent, qu'ils n'attendent pas qu'il y ait un pénalty providentiel qui arrive. Il faut amener les actions, frapper au but, faire quelque chose. Mais là, réclamer des pénaltys sur les mains collées au corps et sur des centres qui sont même pas levés, c'est un peu trop là. Non, moi, je réclame même le coup de vent qui ramène le ballon dans le but. Non mais tant qu'on y est, Boulogne fait jouer un joueur suspendu. Hop, victoire sur tapis vert. Non, faut arrêter là, faut arrêter. Ah, j'avais pas pensé à celle-là, le coup du joueur suspendu. Mais oui, maintenant on va poser une réserve, on va vérifier toutes les licences. Non mais. On va vérifier que Pandore n'est pas une licence du Paris FC tant qu'on y est. Non mais et sérieusement. Ah, ce sera un CSC alors. Ah, non, là, c'est trop, là c'est trop. C'est là trop. On est dans la merde, il y a un bon coup franc pour Boulogne. Ouais, Xavier Mercier pile à l'angle gauche de la surface de réparation, aura un angle parfait pour son pied droit. Parfait pour tenter la frappe directe au but. Ou alors, il pourrait compter sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partenaires aux abords de la surface. Boulogne mène 3-0. On a la 53ème, ils sont quand même à 7 aux abords de la surface de réparation. C'est dire si oui. Boulogne n'a pas des intentions claires dans ce match. En plus, il est vraiment bien frappé ce coup franc, mais renvoyé par une tête parisienne. Et derrière, Grégoretti n'arrive pas à contrôler ce ballon en porte-manteau. C'est dégagé par Tiekoro Keita directement vers Romain Grange. Il y aura une tête, celle de Simon Ebras, pour prolonger ce ballon directement en touche. Et les Boulonnais se sont replacés à vitesse grand V en bloc pour empêcher les Parisiens de progresser rapidement sur leur entrée de jeu. Ils sont obligés de revenir derrière avec Medigian. C'est ça, c'est tout le problème. Problème là, un PFC vraiment amorphe. Et je sais pas à quoi va ressembler les dernières 35 minutes, mais ça risque d'être pas les plus belles qu'on ait vu jusqu'à présent. Mais alors là, je pose la question, est-ce que quand t'es neutre, tu passes un bon moment? Tu passes pas un si mauvais moment que ça avec Boulogne qui fait son match? Non, pas vraiment. Pas vraiment, bien au contraire. Ouais. Mais on attend quand même que les Parisiens jouent vraiment. Ouais, mais ils jouent pas. Enfin bon, c'est comme ça après tout. On a ce Paris FC qui est passé complètement au travers de ses 20 premières minutes, qui le paye cher, très cher, et même en mettant la meilleure volonté du monde, faudrait aussi se demander si les joueurs ont les capacités, tout simplement, hein, si là on a les footballeurs qu'il faut pour cette situation. Ouais, c'est vrai. Posons les questions aussi, soyons francs, soyons honnêtes, est-ce que le Paris FC a vraiment le niveau, même face à une équipe de bas de tableau de National?
Réponse avec Bamboula, un centre dans la surface qui est encore une fois arrêté, un ballon qui n'est pas levé, qui est facile pour la défense, qui va être facile pour Xavier Mercier, qui arrive au niveau de la ligne médiane sur le côté gauche, il va cesser de s'enfermer en attendant la montée de Nyangbo, en attendant la montée des Brass, ballon piqué dans le dos de Medijan, c'est bien joué, sauf que Simon et Brass manquent un petit peu de physique là face aux défenseurs parisiens. Mais Xavier Mercier, il a le temps d'aller s'enfermer dans le couloir, d'attendre une première montée à sa hauteur de Nyangbo, d'attendre Brass qui est un peu plus dans la profondeur pour rejouer sur cette profondeur là. Ah ça. Alors c'est quand même le ballon qui va accélérer et il a l'entrée à la surface. Il décale Dylan Mamboula sur sa droite, le centre de Mamboula. Alors là. Oh là 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 là. Mon dieu. Voilà. Je crois que on a sans dire ce qui s'est passé, je pense que tout le monde a compris ce qui s'est passé sur ce centre. C'est-à-dire rien. Ah si, il s'est passé il s'est passé quelque chose. La fin, rien. Centre du pied droit. Vous voyez un peu les centres coup du foulard, comment ils sont faits avec le pied gauche. Ou le pied droit qui passe derrière le pied d'appui pour frapper du coup du pied. Bamboula nous a fait la même, mais du pied droit pour le pied droit. Pas de pied qui passe derrière le pied d'appui là. Le talon qui se drop complètement au moment de faire ce centre. C'est quand même assez impressionnant de voir du déchet technique comme celui-ci. Hein, sur un centre, hein, pour une fois, le ballon est levé. Ça, c'est sûr. En déséquilibre, heureusement que le ballon va se lever un minimum. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant d'arriver sur des séquences de jeu comme celle-ci où le jeu long ne donne rien, le jeu court ne donne rien, les centres ne donnent rien. C'est impressionnant. Bon courage Jean-Luc Vasseur. Bon courage. Bon courage, effectivement, et bon courage à nous. Qui allons être là jusqu'à la fin de la saison. Ouais, peut-être là, Idriss Chergui face à Argelier, il a raté son dégagement, mais il a réussi à garder le ballon à Thierry Argelier et il va presque faire ce qu'on pourrait appeler du gang temps. Ce ballon n'est pas sorti, bien vu de la part d'Idriss Chergui aussi sur cette action pour Dylan Bamboula derrière. Ouais, Bamboula sur son pied droit, il essaye de rentrer dans la surface de réparation, l'appui sur Richard Segré, c'est bien joué. La ballon retrait maintenant avec la frappe d'Ahmed Mogni qui sera contré par Eric Vandenabelle. C'était bien joué sur cette séquence, ça passe avec ça du pied droit de Bamboula. La remise en première attention là de Richard Socrier pour Ahmed Mogni. Mais ça frappe très rapidement contrée. Et les joueurs parisiens vont devoir repartir en deux derrière avec Cantini qui remet sur Medijan. Medijan qui arrive encore une fois à trouver Dylan Bamboula qui en rejoue dans un petit espace pour aller retrouver Ahmed Monnier bien pressé. Il peut quand même remettre sur Idriss Eschergui qui nous lève un centre hauteur de tête pour Thierry Argelier. Toujours pas donc de véritable centre pour les joueurs parisiens. Second ballon avec Cantini qui peut remettre sur Eschergui. Cette fois-ci le centre est bon. Et il y aura surtout la tête d'Eric Vandenabelle et le ballon capté par Thomas Navo. Quand les ballons sont levés dans la surface de réparation, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre, mais j'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus jouable pour les parisiens. Quand le centre est un peu plus haut. Évidemment. Je sais pas si c'est le football qui veut ça, que les ballons soient hauts pour qu'on reprenne de la tête, pour que ce soit jouable, mais il y a des moments où je me dis, se passe quelque chose. Je vais t'en sortir des joueurs qui font des têtes à ras de terre. Oui, oui, la tête plongeante, ouais. Ouais. La tête en contre-plongée. C'est ça. La tête marmotte. Non, mais là, c'est trop. Ah non, mais c'est trop. Et là, c'est, on peut le dire, hein, c'est autant les joueurs qui sont devant leurs responsabilités sur ce genre de situation. 58ème minute de jeu, 3-0 pour Boulogne. Le match est plié depuis que Grégory Thiel a ouvert le score à la 9ème minute. Surtout qu'il a gravé la marque à la 11ème. Et surtout que Dominique Pandore eut été servi par Xavier Mercier pour le 3-0. Voilà. Le KPFC n'arrive pas du tout. C'est ce qui m'inquiète autant, finalement, c'est offensivement ce côté-là, absolument. Qu'on sent que ça va jamais rentrer, quoi. Pareil, une sorte de. Oh non, non, ça va pas. Un moment d'un miracle, mais on le sent pas venir le miracle. Là, même une bribe, un moment d'espoir. On l'aurait senti si le PFC avait vraiment marqué dans les 10 premières minutes la seconde mi-temps. À la limite. Oui, à la limite, oui, mais. Non. Là, non. Là, non. C'est. Non, mais c'est impressionnant. Voilà, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant, puisque le PFC garde le ballon avec là-bas Romain Grand. J'ai bien vu la part de Romain Grand, ça c'est joli, double contact derrière. Au moins quelque chose de beau qu'on a vu du côté du PFC avec ça. Et le ballon du gauche peut-être pour Tikoro Keita. Ce sera en touche pour Boulogne. On a eu à peine le temps de s'enflammer. On a noté 2-3 petits scores quand même.
à la mi-temps d'autres matchs là en Coupe de France. Sedan menait 1-0 à la mi-temps face à Croix, une équipe de CFA. Marc, qui est dans le groupe de CFA 2 de Saint-Maur-Lusitanos, qui a sorti la bien-essai au tour précédent et mené, en tout cas, a été mené 1-0 à la mi-temps du côté de Mantes. Et Maubeuge DH pour l'instant qui arrive à bien contenir la mi-essai 0-0 à la pause. Voilà. D'autres terrains où il y a du suspense. Ouais, Dylan Bambou là, va entrer la surface, il n'a pas réussi à mener le ballon et ce sera un corner pour le PFC alors qu'on va arriver sur l'heure de jeu. Corner numéro 7. Je n'ai pas senti le danger une seule fois. Occasion numéro 0. Peut-être la 1 à venir à la limite. Allez, Chergui pour tirer ce corner, on est toujours monté du côté parisien bien évidemment. Idriss et Chergui au second poteau, peut-être par la tête de Bavitroré, c'est repoussé par la défense boulonnaise. Et du coup le PFC se retrouve là-bas avec Romain Grange, il va le remettre dans la boîte Romain Grange, et c'est à nouveau dégagé. On n'arrive pas à porter le danger sur cette cage des joueurs boulonnais, qui évoluent en bleu, je rappelle, hein, et le PFC en blanc. Alors je parlais du signe du fait que quel maillot le plus sali, bah, vu qu'il se jette pas trop, il y en a pas tout le monde là bien blanc. Oh, mais ce changement de jeu pour Nyangbo. Parfait, parfait, surtout qu'il va remettre, oh bien fait là de la part de Medijan. Très bien fait de la part de Medijan et Stéphane Lemignan encore une fois agacé parce que son équipe ne joue pas les coups à fond dans cette seconde période. Ils sont un peu trop dans la gestion quand même les boulonnais, attention hein, parce que ça va leur pendre au nez après hein, la mauvaise surprise s'ils continuent à gérer comme cela. Allez Bamboula qui va essayer de faire parler sa technique, à un moment faut peut-être qu'il passe le ballon, ce qui est fait, quand il est dans la surface et c'est trop tard, c'est donné beaucoup trop tard. Par Dylan Bambou, la seconde chance, pourquoi pas maintenant avec Romain Grange arrêté entre la surface de réparation qui décale quand même sur le côté gauche. Tico Roqueta qui a monté le bon contrôle de Keita avec un centre à hauteur de tête à ras de terre pour encore une fois permettre à la défense et à Bon Enfant de renvoyer ce ballon facilement. Avec Mamoui Traoré qui remet derrière jusqu'à Hervé Liboui. Hervé Liboui là-bas sur sa droite avec Medijan. Alors qu'il y aura encore des changements côté parisien et boulonnais qui arrivent. Medijan il est tout seul sur la droite. Si finalement on va trouver Bambou là, bien vu ce petit ballon dans le dos pour Sébastien Cantini, le centre de Cantini. Mais il n'y a personne côté parisien, on n'a même pas eu le temps de monter. C'est dommage parce que à la base c'était quand même bien joué de la part des parisiens. Faut qu'ils se projettent aussi les parisiens sur ces ballons là, sur ces actions là. Surtout quand la combinaison est bonne et fluide, elle est rapide et que Cantini peut centrer rapidement, adresser un bon centre à une bonne hauteur dans la surface. Mais si personne ne monte, ça sert à rien. Et puis Boulogne peut partir en contre de l'autre côté. Quasiment poteau de corner à droite avec Bon Enfant. En retrait avec Mercier qui se met sur le pied droit. Mercier qui frappe et qui est contré par Hervé Liboyi. Corner pour l'USBCO. Attention à l'occasion à venir sur phase arrêtée. 63ème minute de jeu. Et changement du côté du Paris FC. Et Théo Pelnard va faire son entrée en jeu à la place d'Idriss Achergui. Ce qui va donc faire remonter Koke Keita au milieu de terrain dans une position offensive à la place d'Eschargui. Et Théo Pelnard va tenir le couloir gauche. C'est ça, c'est déjà un changement qui a été vu à Créteil par Jean-Luc Gassin. Et du côté de Boulogne-sur-Mer, Ibrahim Sako qui devrait rentrer. À la place de qui? Faudrait que Stéphane Mignon lui redonne les dernières consignes. Une sortie de Nyangbo. Guy Roland Nyangbo. Je ne vais pas faire d'erreur de prononciation quand même. Guy Roland Nyangbo, très actif hein, ce soir. Remplacé donc à la même minute par Ibrahim Sako. Deuxième changement aussi du côté de cette équipe de Boulogne-sur-Mer. Et le corner, donc avec Mercier, c'est sortant, c'est frappé à ras terre, premier poteau, Joseph Lopi qui nous fait une reprise acrobatique, et quand même cadré, capté par Alexis Thébault. Même quand c'est totalement volontaire et totalement loupé, les Boulonnais arrivent à cadrer. C'est fort même ce qu'il faut ce soir. Sacrément loupé, mais oui, effectivement, c'est cadré. Et Medijan essaie d'apporter au ballon rapidement vers l'avant, jusqu'à Bamboula, et derrière, on va repasser derrière. Avec Medijan qui va prendre son temps pour rejouer avec Romain Grange, Sébastien Cantini. 64e minute de jeu, 3-0 pour Boulogne face au Paris FC. Et Hervé Liboyer qui va tenter un changement de jeu. Ça va arriver directement sur la tête de Cédric Fabien. Fabien avec Simon Ebras en retrait encore une fois avec Fabien, le capitaine de cette équipe boulonnaise qui rejoue dans le couloir. Ça arrivait finalement légèrement dans l'axe sur Medijan. Et les Boulonnais laissent vraiment venir les Parisiens. Ils se sont mis en mode gestion. Et Bamboula s'est mis en mode replacement tardif. Dommage, parce que là ça rejoue dans les couloirs. C'est quand même intéressant.
Ils jouent beaucoup trop tard les coups, les Parisiens, ce soir. Il y a quand même quelques espaces à aller négocier. Mais on joue tard, on joue en retard, on joue à contre-temps, on joue pas du tout comme il faut, hein, du côté du Paris FC, clairement. Ça c'est moins qu'on puisse dire sur ce genre d'action, alors que votre temps de récupérer le ballon qu'il a fait. Pourtant le PFC a beaucoup le ballon, mais bon, ça n'arrive pas à aller vers l'avant. Cette passe pour Sucrier, c'est peut-être bien vu, la foule a décalé pour Dylan Bamboula sur la droite, voilà qui est fait avec la montée de Sucrier, mais on a une infériorité numérique tellement énorme du côté du PFC, alors que Bamboula va quand même essayer de provoquer et il va obtenir le corner. Ah ça il provoque, hein. Il provoque la crise de nerfs aussi parfois Dylan Bamboula. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que là les Parisiens ont 3 buts à remonter, c'est un match de coupe devant leur public. Ils ont quand même un petit peu d'honneur, ces joueurs. Qu'ils tentent quelque chose, qu'ils n'arrivent pas en infériorité numérique dans la surface de Boulogne sur une action construite. Quand même. Faut créer le surnombre. Allez, Grange pour ce corner. Frappé premier poteau. Ça va finalement traîner au second. C'est quand même renvoyé par le pied de Sacco. C'était pas très bien frappé encore une fois. Mais cette fois-ci, il y a quand même eu une petite opportunité pour cette équipe parisienne. Alors qu'il reste 25 minutes à jouer. C'est trop. Allez, Cantini là-bas qui venait le ballon vers l'avant et un peu tout seul. Et ce sera personne à part pour Arjoli évidemment qui peut récupérer le cuir. Avec Mercier dans le côté fermé. Mercier qui prend son temps pour jouer avec Cantini. Intervention avec autorité de Bao et Traoré qui va passer devant Grégory Thil. Traoré qui continue dans le couloir qui remet finalement dans l'axe. Richard Sucrier. Sucrier les petits dribbles pour pouvoir écarter avec une passe de l'extérieur du pied. On voit qui est très bien joué sur Tico Keita. Keita qui va être un petit peu en bout de course. Qui aura du mal à centrer face à lui. Là, Dominique Pandore et vient en retrait avec Théo Pelnard. Le centre à terre de Pelnard qui ressort de la surface de réparation pour Xavier Mercier et qui peut dégager très rapidement. Ça arrivera sur Medijan à une bonne quarantaine de mètres du but d'Alexis Thébault plein axe. Même finalement, même si évidemment il n'y a pas de but, le PFC ne revient pas dans le match là. La manière de jouer en seconde mi-temps, c'est un peu ce qu'ils auraient dû faire au début, quoi. C'est avoir le ballon, mettre un peu la pression et une fois que forcément il y a 3-0, bah on fait un petit peu n'importe quoi devant le but. Ouais, ils font vraiment n'importe quoi, les Parisiens. Allez, Cantini qui a réclamé le ballon sur le côté droit, il a enfin eu Cantini, le centre, c'est facile pour la tête d'Argelier. En intérieur du pied, à peine levé, sans puissance, sans conviction, sans profondeur. C'est le centre cadeau pour un défenseur central. Pangon la passe entre les jambes. La deux Fabien, très bien fait pour Bamboula. Le centre de Bamboula dans la surface était cette fois-ci à hauteur de tête. Il y avait de la hauteur, il y avait de la précision. Sauf que là, c'était terre à terre qu'il fallait jouer. Encore le mauvais choix. Avec Romain Grange derrière. Romain Grange qui a le ballon à l'entrée de la surface. C'est compliqué de Romain Grange. La tête de Sucrier. C'est cadré. Cette tête de Sucrier. Les applaudissements des supporters parisiens pour, mesdames, messieurs, la première tentative cadrée parisienne. 67e minute. Alléluia. 67ème minute pour le premier tir cadré. Non mais tout va bien. 67ème minute pour le premier tir cadré. Je sais pas si tout le monde peut bien prendre la mesure de la performance parisienne ce soir. Il a fallu attendre 67 minutes pour un premier tir cadré. Venez nous aider avec le petit chat que vous avez sur YouTube. N'hésitez pas à venir, à poser vos questions, nous réconforter éventuellement, puisqu'il reste encore une grosse vingtaine de minutes. Donc n'hésitez pas à poster vos messages, on y répondra avec grand plaisir. Puis on va peut-être organiser une petite quête hein, pour les commentateurs comme nous. On puisse peut-être s'acheter un décodeur Bein et qu'on regarde du vrai football à un moment, parce que là c'est quand même impressionnant. Refus de combativité dans les duels des joueurs parisiens ce soir, refus de jeu sur la première mi-temps, refus des duels à part Ahmed Mohni, Baboy Traoré et... On voit un Baboy Traoré là sur la seconde mi-temps qui essaye de rentrer, d'avancer, il y a beaucoup, on sait qu'il nous a déjà confié qu'il était un peu fatigué après le match de Créteil, il a beaucoup enchaîné les matchs. On l'a vu rentrer en dernier au vestiaire tout à l'heure à la mi-temps, un air... très énervé, on se doute bien connaissant le personnage, on le disait tout à l'heure, comme des joueurs comme Edmoni, hein, que eux, ça leur fait doublement pas plaisir quand on connaît l'attachement qu'ils ont au PFC. C'est trop là. Mais c'est quand même trop d'insuffisance dans à peu près tous les secteurs de jeu. Si Boulogne ne joue pas sur du bloc bas en laissant un peu plus d'espace et en misant tout sur le contre. Paris n'a pas le ballon. Paris ne fait pas ce qu'il faut pour aller chercher le ballon. C'est Boulogne qui le laisse à Charletti, ah oui, au Paris FC. En menant 3-0. Bah, Boulogne veut pas. On attend les contres. Regarde là. Regarde ce contre qui va partir avec Ebras qui talonne.
plein cœur de jeu pour Grégory Thil. Et il y a une faute commise là par, par Sacco. Dommage qu'il ait commis la faute puisque le jeu était écarté par Grégory Thil directement sur le côté droit de Dominique Pandore. Mais Boulogne va attendre des contres pour accélérer et pour aller en mettre un quatrième. Effectivement. Mais bon. Facile. Ils sont faciles. Mais le truc en fait, c'est vrai que Boulogne laisse parce que je pense qu'ils ont pas envie de se projeter trop en mettre 4 ou 5 et d'en prendre un. Enfin, quelconque, surtout sur ce début de seconde mi-temps, qu'on a vu que le PFC s'était montré, enfin, s'était montré vraiment vers l'avant dès le départ. Boulogne ne veut pas laisser d'espoir, quoi. Ils veulent fermer, c'est ce qu'ils font à peu près bien depuis tout à l'heure, sachant que le PFC a un manque d'idées offensives intelligentes. Un manque d'idées tout court. Ah, quoique, idées à la con, ouais, il y en a quelques-unes. Ouais, quand même. Il y en a quelques-unes. C'est pas forcément bien. Hein. Ouais. C'est pas faux. Ouais, ballon récupéré par Baba, il trouve encore une fois une quarantaine de mètres du but, c'est plein axe. Il peut s'appuyer sur Romain Grange qui va encore une fois essayer d'écarter sur le côté avec la montée d'Amed Moni au duel face à Cédric Fabien. Moni qui va redresser son ballon dans la surface de réparation, mais il est protégé par Fabien. Et ce sera en voie pour le portier de l'USBCO, Thomas Navo, qui donc ce soir aura dégagé 114 000 ballons aux 5m50. Ce sera gratté. Un bon nombre de fois aussi, aura sauté sur place pendant à peu près 60 minutes et aura touché qu'une balle à 68ème. Encore, c'était avec les mains. Et là, les pieds, ça c'est sûr, il en a touché. Il doit pas avoir les pieds gelés à force de dégager, mais. Là, non. Là, pas du tout. Allez, Bamboula qui va accélérer là-bas sur la droite pour le PFC. Peut-être essayer le grand pont qui va pas passer du tout parce que c'est bien défendu de la part de Cédric Fabien. Très bien défendu. Mais en même temps, sur un grand pont qui est trop long de 10 mètres, oui, heureusement que c'est bien défendu. Le viaduc de Millau, certains auraient dit. C'est le patrimoine français, le viaduc de Millau. Je suis pas sûr que Bamboula fera partie, là, incessamment sous peu, du patrimoine du football français. J'espère pour lui, hein, sur le long terme. Mais il faut qu'il joue beaucoup plus juste. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de justesse. De tout en fait, faut qu'il y ait tout dans cette équipe parisienne. À un moment, Jean-Luc Vasseur, bon courage. On te le redit, Jean-Luc, bon courage, accroche-toi. Il va sortir bon, hein, le PFC Lens la semaine prochaine, encore une fois. Hein. Ah oui, le PFC Lens. Venez tous, hein, vendredi dès 19h50 sur le Journal de Sport, hein, pour le PFC Lens. Venez. Venez tous, on va se régaler. Allez, Pandore, entrée la surface sur le côté droit qui va jouer en appui sur Grégory Thil. Pandore qui va remettre sur Thil. Thil qui arrive dans la surface de réparation. Oh, il a tenté le petit pont sur Sébastien Cantini. Il était trop joueur là, Grégory Thil. Sur ce double, une tentative avec Dominique Pandore. Il arrivait ça dans la surface de réparation. Il aurait pu tirer sur la seconde remise de Pandore. Il aurait même pu rejouer sur la gauche avec Mercier. Il a tenté le petit pont sur Cantini. Il a été beaucoup trop gourmand sur cette action, Grégory Thil. On était vraiment un chouïa. Du 4 à 0 à la 72e. J'aurais trouvé magnifique qu'il la décale sur la droite et qu'il la finisse. Ouais, doublé de Thil, doublé de Pandore. Ouais. Enfin, magnifique, je me comprends. Alors, petit message sur YouTube de Joël qui nous dit: déçu que Boulogne joue la coupe et pas le championnat. Alors, c'est sûr que la situation boulonnaise en championnat est compliquée, mais avec un minimum de jeu, à peu près. Toutes les équipes sérieuses ce soir pourraient battre le Paris FC aussi. Ouais. On va être un peu rabat-joie, hein, pour des supporters boulonnais qui pensent aussi au déclic. Mais le Paris FC laissait tellement de marge sur la première demi-heure à Boulogne que toute équipe qui joue sérieusement, qui en plus à la vitesse des joueurs de qualité comme Mercier, comme Thil, comme Nyangbo, avec un trio comme ça devant, en jouant intelligemment, ça fait mouche. Boulogne l'a fait. À peu près tout. Les équipes sérieuses et appliquées le feraient aussi. On a vu Dijon s'appliquer comme cela, et encore Dijon, c'était un petit peu plus long à se dessiner. Oui, forcément. Parce que le PFC, pour le coup, avait vraiment été bien rentré dans le match. Enfin, on peut pas comparer, de venir c'est un match de coupe. Je pense que les joueurs l'ont pris 3 à la légère. Une fois qu'ils se sont fait mettre 3, dans la tête, ils étaient morts. Voilà, là, tout le monde, c'est pas une réaction face à Lens. Ce sera très compliqué quand même. Dans cet enchaînement qu'on a envie de qualifier Grand Nord. Pour ce week-end d'élection, puisque ce week-end c'est Boulogne. C'est vrai. Réception de Boulogne, puis réception de Lens, puis déplacement à Valenciennes. Pour bien finir l'année. Ça va être deux matchs importants, ça étant dit, allez, tu veux aller dans l'optimisme jusqu'au bout. T'as vu que ça, vaut mieux gagner Lens et Valenciennes que gagner Boulogne et perdre les deux autres. Dans un sens. Oui. Oui, dans un sens, oui. Après, ce qui est pas possible, c'est que c'est par rapport à là au contexte, fallait faire quelque chose. Fallait bouger et là il n'y a rien de ça. Et puis je le disais, c'était anecdotique peut-être au début du match, 4 ans sans 32e de finale,
Ouh, attention encore une fois, un très bon ballon pour Dominique Pandore qui arrive à l'entrée de la surface de réparation face à Penard. Il joue en retrait avec la frappe de Joseph Lopi qui va être cadré et surtout cadré. Capté par Alexis Thébault. Boulogne aura quasiment fait du 100% ce soir en termes de tir et tir cadré. 7 tentatives, 6 cadrés. 75e minute. Avec le ballon là-bas jusqu'à Dylan Bamboula de votre oreille et il remporte pas son duel. Bien vu de la part de Fabien. Qui peut à nouveau dégager, on défend très bien du côté de Boulogne. Et Medijan sanctionné à juste titre, une faute sur Grégory Thiel, il pousse dans le dos l'attaquant boulonnais. Et donc coup franc pour l'USBCO, encore un changement, le dernier changement du côté du Paris FC. Monsieur Touel désigne les bancs avec donc l'entrée en jeu de Yannick Bessy dans quelques instants. C'est Baboy Traoré qui a l'air de sortir. Baboy Traoré sur qui on devrait compter encore à mon avis contre Lens. Troisième et dernier changement pour donc cette équipe parisienne. Qui finalement ne sera pas effectué. Changement de maillot. Ah oui, non, mais jusqu'au changement, ce match est quand même. Changement de maillot. C'est Axel Disasi qui fait son. Ah d'accord, c'était pas son bon maillot. En fait, il n'y avait pas le bon maillot. C'est pour ça que j'ai. Alors, je te cache pas que je vois le 14 et je me dis, on dirait Axel. Je me dis, ah bon, bah là, Axel, je vois mal de loin, tu vois, demain, on va aller faire un petit tour chez Ophtalmo. Non, non, ok, c'était pas le bon maillot. Normal! Ce n'était qu'un petit détail textile, on a envie de dire. Oh, quelle faute là encore à l'entrée de la surface. Oh là, mais Théo Pelnard a-t-il besoin d'aller se jeter comme cela face à Grégory Thiel? Qu'est-ce qu'il fait parfois à l'entrée de la surface, ce défenseur à se jeter? Un défenseur défend debout, on recule frein. Là, il se jette face à Grégory Thiel. Grégory Thiel planté des buts en Ligue 2, en National et en Ligue 1, avant même que Pelnard ait touché un premier ballon. Il sait qu'il a des joueurs d'expérience face à lui, qu'il se jette pas. Ça, attention, danger quand même. Voilà, le danger il y est. On est quasiment sur la ligne de la surface de réparation, légèrement décalé sur la gauche. Mercier a face à lui 5 joueurs dans le mur. Ça lui fait pas peur, ça, généralement, à Mercier. Mercier, s'il se dit je vais mettre le coup franc dedans sans forcer, il le met dedans sans forcer. Pas s'inquiéter. Même si. Non, mais là, c'est même plus un mur. Là, c'est tout le but d'Alexis Thébault qui est bouché par des joueurs. Mais Mercier aura quand même l'occasion. Thébault a d'ailleurs pris l'angle du second poteau. Je pense qu'il va plutôt jouer au premier. C'est contré par un joueur parisien dans le mur. J'imaginais plutôt Mercier jouer à terre sous le mur. Oh, Fabien. Ah, très intelligent, ça aussi, de la part de Cédric Fabien qui contrôle le ballon au dernier moment, mais il est sorti en touche avant. Ouais. Ouais, c'est très intelligent. Oui, il avait l'air bien sûr de lui. Et en plus, la touche est traversée. Ce match est dans une autre dimension, dans une autre galaxie. On s'est perdu. Fabien pense contrôler le ballon dans le terrain finalement et le contrôle en dehors. Touche pour Boulogne. Rentrée de jeu illicite. Touche pour Paris. Bon. Tout va bien. Tout va bien. C'est ça. Tout va bien. Ça pourra aller mieux quand même. Oui. Ouais, pour les supporters boulonnais comme Julien qui nous écrit qu'à Boulogne on aime bien Madame la Coupe de France, on espère encore un beau parcours cette année. On vous le souhaite. Il est pas si moche avec cette victoire. Ah, pas du tout. Mais on le souhaite aux boulonnais, hein, ce beau parcours. Attention quand même à Moni, la frappe est contrée là par Thierry Argelier à l'entrée de la surface. C'était une frappe à peu près à 25 mètres du but tenté sur le côté droit de cette surface de Boulogne. Alors qu'il y a un nouveau ballon qui est récupéré, c'est par Sacco. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les Parisiens, quand ils se projettent en contre, ils sont en infériorité numérique. Là, les boulonnais sont quasiment égalité sur le contre. Avec Mercier qui rejoint l'entrée de la surface avec Sacco. Sacco qui recombine dans la surface de réparation. Mercier qui est quand même signalé en position de hors-jeu par l'arbitre assistant Manuela Nicolosi. Dommage pour les Boulonnais que ce contre n'ait pas été un petit peu mieux amené sur ce côté gauche, puisqu'il y avait vraiment moyen d'aller chercher le quatrième, un petit peu comme depuis finalement la 19e minute avec le but inscrit par Dominique Pandore. Oui, c'est Pandore qui a marqué. Non, également. Mais c'est même pas ça le truc, c'est classe. Tu sais, l'ancien parisien pendant 2 jours. 2 jours, oui. On va lui demander si ça l'a marqué son passage au PFC. Bon, ça l'aura peut-être marqué quand même, puisque
ça restera une anecdote assez forte. Ah, une chenille commence à se dessiner en tribune. Ah, second, en même temps, il y a un truc à jamais perdu supporter du PSG, c'est le second degré, vous l'aurez remarqué. Ah, ça. Ça, le second degré, ouais, faut en avoir. Hein. Eh, les gens se rejoignent. Hein. Bah, les gens se rejoignent et Monsieur Toile va rejoindre Mehdi Jean pour le deuxième carton jaune de la partie. Hervé Liboyer à la 45e plus avait été averti. Et maintenant c'est Mehdi Jean à la 80e. C'était 3-1 au national. Je dis ça à mon cher confrère Michel Bamez, supporter historique évidemment, photographe, qui me demande si c'était pas ça. Non, c'était en Coupe de France 3-0. On a l'habitude de prendre 3 et Baldé avait réduit le score. Ou si c'est qu'on doit, peut-être je me trompe. Ah non, il y a eu 3-0 au national. Ouais, non, 3-1, je crois. C'était 3-1. Hein, la dernière confrontation, je vais te dire ça dans un court instant. Ah, mais là, je suis la chenille qui progresse. Oui. Malheureusement, on ne peut pas vous montrer d'image du terrain. On n'a pas les droits de la chenille. Terrain. On n'a pas les droits, surtout que là. La chenille a quand même été achetée par Machin Sport qui rachète absolument tout en ce moment. Donc vous aurez la première ligue et les chenilles de Charletti dans. Donc quelques temps, vous inquiétez pas. Je vous ressors ça, hein, le buteur qui avait réduit la marque, à moins qu'on le laisse sous les yeux quelques parties dans le programme du match. Peut-être. Mon cher Gabriel, je te laisse avec le jeu avec Dominique Pandore oui, qui remonte le terrain. Regardez, il a fait une passe en retrait. Je te laisse, hein. Allez, les joueurs de Boulogne qui récupèrent ce ballon, qui font tourner et qui arrivent à faire quelque chose avec Thierry Argelé là-bas dans son camp sur la gauche pour amener Xavier Mercier. Et il va rater ce contrôle, il s'en sort quand même. Et il va passer face à Sébastien Contini. Hop, une touche. Pour le SBCO qui se dirige tranquillement vers un très beau succès, mais qui n'est pas le premier ici. Oui, ça fait bizarre de dire ça. Ah, ça. On va dire que quand ils étaient en Ligue, dès qu'ils viennent gagner ici, bon. Voilà, je sais ce que j'en pense. Faute sur Sébastien Contini et on a joué rapidement avec Mehdi Jean là-bas. Mehdi Jean il accélère, attention il y a le retour d'un boulet sur lui pour Romain Grange qui est pratiquement en position de milieu défensif. Hein. C'est un concept. Allez là-bas peut-être Tikoro Keita, il va justement rentrer Tikoro Keita dans la surface au centre de Keita, la tête de Sucré et finalement ce sera un corner bien défendu de la part des Boulonnais. Corner pour le PFC. Sur cet axe, sur Mounagisé de Romain Grange en position de milieu défensif, la chenille est repartie dans l'autre sens évidemment. Corner numéro 9 des Parisiens. Allez Romain Grange peut-être pour sauver l'honneur des Parisiens sur cette action. Keita venu pour la jouer à deux. Finalement Romain Grange va le tirer. La tête de Sucrier. C'est dans la surface à revenir sur Mehdi Jean. Et on repasse derrière avec Romain Grange qui va le remettre dans la boîte. Il est sur son pied droit. Non finalement c'est pour Keita. Le centre de Keita. Mais c'est pas un centre, ça c'était une passe. Si si c'est un centre parisien. Oui, enfin, c'est un centre. On peut le qualifier de centre. C'était Koke Keita le buteur l'an dernier à la 73e minute. L'ouverture du score de Gbizi à la 37e sur une passe de Mercier. À la 45e c'était Dembélé qui avait marqué sur une passe de Beg. Et enfin Elohim Roland à la 48e suite à un dégagement manqué me semble-t-il de Vincent de Marconnet. Elohim Roland avait tenté un lob de 40 mètres et l'avait mis dedans. Oui oui c'est ça. Ouh la sortie manquée de Navo. Fameuse histoire du lob. Koke Keita qui va tenter un centre lob éventuellement pour Hervé Liboyi. Oui, qui redresse bien ce ballon, qui va le laisser dans l'air de jeu, mais ça va être récupéré facilement par Mercier sur le côté gauche. Et Mercier qui a ce ballon à Sacco pour remonter ce cœur directement vers Grigoretti. C'est finalement dégagé par Disasi en touche. Dernier changement du côté du SBC avec la sortie de Xavier Mercier qui sera remplacé par Lucas Dory pour les 7 dernières minutes de ce match. 7 minutes ça va être long quand même. On a pu en tenir 84 déjà, c'est bien. C'est pas mal. Hein ? En rabat-joie. Donc, je suis à la recherche de la chenille qui, à mon avis, est dans les couloirs du stade. Toi, t'es comme un petit chat, rien te distrait. Ah oui, bon, là, c'est le truc le plus intéressant côté PFC, c'est la chenille des supporters. De loin. Alors qu'attention quand même, parce que Boulogne va avoir une situation de 4-0, la frappe, ça passe. Ouf. À côté des cages, Alexis Thébault. C'est impressionnant quand même. Généralement, quand t'achèves quelqu'un, c'est un peu le quatrième but en compte, tu vois, sur la 90e. Et je le sens peut-être. Non, mais c'est impressionnant. Dory vient de rentrer, premier ballon, il est à 30 mètres, il décoche du gauche, on aura du poteau de Thébault. C'est ce qu'on attendait des entrants parisiens.
C'est Doré qui le fait à 3-0 avec 6 minutes de temps de jeu ce soir. Phénoménal. Alors que Axel Disasi, je rappelle, vu comme un grand espoir, hein, du côté du PFC qui a marqué un but exceptionnel avec les U19 contre Caen, alors qu'ils étaient menés 3-0, tiens d'ailleurs. Il avait remonté tout le terrain pour marquer le but du 3-1 à Dejrin, jeune défenseur central qui fait sa deuxième apparition avec l'équipe pro après le match à Wassel. Et ballon maintenant pour Dylan Bamboula, on sait qu'il va finir n'importe où mais pas dans le but. Mais Bamboula va persévérer, Bamboula toujours, Bamboula s'effondre et Bamboula obtient un pénalty. Bah ça finit pas dans le but, ça finit pas dans le but mais pénalty pour le Paris FC. 85ème minute, Bamboula qui a force de courir tout droit à un moment, il est bien tombé, il est tombé sur Cédric Fabien et Fabien est tombé sur lui. Et Fabien, oh non, Bamboula veut frapper le pénalty. On dit toujours hein, qu'un joueur qui veut frapper un pénalty après avoir obtenu le pénalty le rate. Romain Grange vient, Bamboula lui dit non. Bien, Gabriel, je te laisse l'honneur de ce pénalty pour Dylan Bamboula. Bon, Bamboula face à Navo. Bamboula face à Navo, le face à face. Allez, on va essayer de s'enflammer un petit peu sur cette action. Dylan Bamboula, joueur prêté par AS Monaco face à Navo. Bamboula, c'est dedans. Et t'es parti du bon côté Navo, mais alors faut peut-être aller chercher le ballon de filet. Qu'est-ce qui te reste 5 minutes? Et bah faut aller jouer. Oui, c'est vrai que c'est... ça aide. Hein. Ça aide. Ne revenez pas en courant, ne vous pressez pas, monsieur. Non, c'est vrai qu'il se précipite pas. Ah, le coq qui chante, ils ont marqué, c'est très bien ça. Ouais, mais en même temps, ils ont pas tort, ils ont marqué. C'est le deuxième but en 6 matchs, c'est magnifique. Bon, en attendant, Boulogne a commencé à reculer à force de gérer le match. Boula a réussi à enfin percer la défense correctement, a oublié de centrer en cours de route et grâce à son oubli, il a quand même réussi obtenir un pénalty. Long ballon pour Bamboula, entrée de la surface de réparation. Espérons pour les Boulonnais que ça va pas être quand même le début d'un cauchemar avec ce but sur pénalty d'Ilan Bamboula. Il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Et Medijan qui peut rejouer avec Romain Grange. Si c'était tout aussi scandaleux d'avoir Boulogne qui venait dominer outrageusement le Paris FC sur sa pelouse dans les 20 premières minutes, ce serait quand même scandaleux que le Paris FC revienne à 3-3 dans les 3 dernières. Ah, mais centre pour Cantigny en position d'attaquant gauche. Pourquoi pas. Après tout, faut aller de l'avant, faut attaquer, faut tout tenter. Mais Joseph Lopi peut reprendre surtout le ballon, s'amuser avec Simon Ebras pour combiner, repartir dans la profondeur avec la remise parfaite qui était tentée par Grégory Thiel. Lopi qui arrive dans la surface de réparation, Lopi qui va buter sur Alexis Thébault. Joseph Lopi n'a jamais marqué avec Sochaux en Ligue 1 ni en Ligue 2, il était tout proche de son tout premier but au haut niveau. Il a buté sur Alexis Thébault. Bah là, Thébault aussi. Ah, le ballon là-bas sur la droite et bon, retour de Cédric Fabien, il cherche Dylan Bamboula, c'est trop tard, c'est bien ce qu'on est en train de se dire pour les Parisiens. On se dit aussi que là, si c'était Grégory Thiel qui était dans la surface de réparation devant Alexis Thébault, ça aurait pu finir d'une autre manière. Mais la projection en contre des Boulonnais est vraiment incroyable. Ils combinent à 3 dans un espace fermé, alors que Dylan Bamboula est un petit peu moqué par le Stade Charity pour avoir tout simplement complètement manqué une passe. Il est passé au travers du ballon, c'est sorti en touche. Aussi que le public, hein, même s'il est passablement énervé, même s'il est exaspéré, que de voir cette équipe parisienne passer au travers d'un bon nombre de ces rencontres, il faut aussi sentir du soutien et pas forcément des moqueries et des chenilles dans les travées du stade. Oh oui, la chenille c'était une bonne innovation. Parce que les supporters, surtout ceux du COP qui descendent, sur le bas des gradins et pour aller faire une chenille, c'est normal. Oui, c'est un concept. Mais bon, je préfère à la limite, c'est un peu de secondorie. Je parlais tout à l'heure de ce côté, insulter les gens. Enfin, quand je dis insulter les gens, c'est-à-dire ils ne s'en prennent pas aux joueurs. Voilà, le match est long, compliqué. J'essaie d'apporter un peu de second degré, d'amener à Chenille que si le reste de Charity avait pris, vous avez peut-être continué. Allez, ça aurait pu être un truc très marrant. Pour l'instant, c'est pas très drôle quand même pour le Paris FC. Ah non, tu parles pour la Chenille. Hein. Loin de là, bah, même avec la Chenille, hein, c'est. J'estime, hein, je suis peut-être
trop réac sur les bords. Peut-être que je n'aime pas le second degré, peut-être que je ne l'assume pas. Mais faire une chenille, c'est peut-être encore plus humiliant que d'en prendre 3 par Boulogne. Bah oui, ça dépend. Je trouve la chenille des supporters beaucoup plus humiliante et affligeante que le score là qui s'affiche sur notre droite. Je sais pas, parce que c'est pas les joueurs qui jouent dans un sens. Enfin, c'est pas les joueurs qui jouent, putain. C'est pas les joueurs qui jouent. Ils n'ont pas joué, les joueurs. Ce ne sont pas les joueurs qui jouent. Là. Merci Gabriel Aumont. Peut-être la vraie différence, c'est que les joueurs sont payés pour jouer, les supporters payent pour les voir jouer. Et dans ce sens-là, la chenille, elle peut être voilà, pour se réchauffer. Et pour amener un petit peu de bonne humeur au peu de public, on va dire, les habitués depuis quelques années qui sont là. Officiellement, grâce aux prérogatives de la LFP, il y aura à peu près 1000 spectateurs. On compte les abonnés. Voilà. On est sur combien? On est sur 200. Ouais, peut-être un peu plus au début de match, parce que ça s'est vidé à la mi-temps. Ah oui, non, là maintenant, on est à 200. Je pense au début de match. Concrètement, on est à 200. Et c'est vrai que là, on voit pas, mais je pense pas qu'il y ait de gens au-dessus. Non. Non, non. Il y en a, c'est vrai que sur les derniers... On peut baisser notre caméra et puis tu regardes sur le retour sur notre écran voir s'il y a des gens là-haut. Mais... Bon, c'est long, on est dans le temps additionnel depuis 20 secondes. Bon, je pense que ça n'empêchera pas qu'il y ait quand même un petit peu de monde face à Lens, malgré tout. Bah, il n'y aura pas de supporters lensois déjà, donc tu peux enlever facilement 1500 demi-supporters. Voilà. En prenant tous les lensois, tous les supporters du Racing sur la région parisienne, tous ceux qui auraient pu descendre très rapidement de Lens grâce au TGV par exemple ou à l'autoroute 1, parce que c'est quand même relativement direct depuis Lens. On enlève tout ça, on rajoute le froid, le mauvais résultat. Bin. Ligue 2. Élimination face à Boulogne. Voilà, 600 personnes. Voilà, c'est ça. Bon, au début de match, ça devait ressembler à ça. Ouais, vu d'œil. Ouais, tout mais ça ressemblera aussi à ça face à Lens. Hein. 600 Ah ouais, moi je te le dis, 600. Oh, je pensais malgré tout qu'il y aurait quand même... J'aurais vu, ouais, j'ai du mal à croire 600 quand même. Bon, allez, Monique qui fait quand même un petit rodéo à l'entrée de la surface de réparation, la balle en retrait avec la frappe de Medijan qui va passer au-dessus. C'est rare de voir frapper Medijan en plus. Hein. Mais cette frappe, bon, ouais, il a pas tort d'attendre au point où ils en sont. La frappe de Midian qui va se au-dessus des cages. Un aveau et on va pas tarder à en finir avec ce match. Bah, de toute façon, on en a fini dès la 11e avec le deuxième but de Grégory Thil. Et puis même, hein, même sur l'ouverture du score, on n'a pas senti le PFC réagir outre mesure. Ouais, c'est ça qui est gênant, le plus gênant en fait. Parce que finalement, que Thil ouvre le score dans un sens, c'est pas non plus, tu vois, c'est pas le dernier des buteurs qui arrivent. Quoi, qui vient, non, c'est pas un joueur qui sort là du centre de formation, qui joue un tout petit peu avec la CFA, qui a du temps de jeu parce que c'est la Coupe de France. C'est Grégory Thil. Il y a plus que de la bouteille là. C'est... Je te rappelle juste le nombre de buts inscrits par Grégory Thil hein, quand même avec Boulogne. En comptant ce soir, 242 matchs, 117 buts. Ah oui, bon. Voilà. Voilà, monsieur Toile nous fait signe que le match est fini. Bon, ça fait un petit bout de temps. Là, il a officiellement fini avec la victoire 3-0 de Boulogne-sur-Mer. Avec des buts inscrits par Grégory Thil, 9e minute, 11e minute, et Dominique Pandor à la 19e, réduction de l'écart de Dylan Bamboula sur penalty à la 86e minute. C'était sûrement le Parisien le plus exaspérant, le plus mauvais qu'on ait vu ce soir, et pourtant c'est lui qui marque. Mais pour attendre un but dans le jeu, bah, ça c'est sûr qu'on l'attend, le but dans le jeu du côté du Paris FC. En tout cas, le PFC sort de manière piteuse, lamentable, honteuse, scandaleuse. Affligeante, tout, utilisez les mots, le terme que vous voulez. En tout cas, le Paris FC est éliminé de Coupe de France, mais aura fait mieux que le Red Star et l'US Créteil Lusitano. C'est un petit peu. C'est un paradoxe. C'est une petite satisfaction pour les Parisiens. Ils ont fait mieux que Créteil, mieux que le Red Star, mais surtout, devine, ils sont éliminés à domicile pour une équipe d'un rang inférieur. Ah oui, c'est-à-dire. Voilà! Faut quand même le dire, parce que bon, Créteil se fait sortir par Valenciennes. C'était le 13 novembre dernier, donc ça, hop, vendredi 13 à 21h, hop, Valenciennes était qualifié. On en avait fini avec la Coupe de France du côté de Créteil. Le lendemain, le Red Star à Saint-Malo, on savait que c'était un bourbier et que le Red pouvait laisser des plumes. Ils se sont fait bouger pendant tout le match.
Pourtant, ils ont un comportement professionnel, mais là, le Paris FC n'a pas été pro pendant 90 minutes, mais ont en face des joueurs professionnels, même s'ils n'ont pas de licence Ligue de football professionnelle. Ce sont des joueurs pro, avec un encadrement pro, ils travaillent au quotidien pour ça. Le championnat national, les Parisiens ont peut-être oublié, la plupart, que le club y était l'an dernier. Ils ont joué à la légère cette rencontre. Et là, tout simplement, Paris FC, salut, salut. Merci, puis on se retrouve l'an prochain. On espère se retrouver l'an prochain. Ah, en Coupe de France, tu te retrouves de toute manière l'an prochain. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est certain. À voir à quel tour. Ouais, c'est ça, où tu commences. Non, mais par contre, c'est vrai que pour ce qui est, c'est que même en général, à part le PFC, on verra ce que font les autres franciliens là, des matchs de ce week-end. Mais il y avait une hécatombe déjà avant ce tour-là des clubs franciliens sur la plupart des divisions. C'était une année compliquée pour l'Île-de-France. Ouais, génial même. Une année géniale pour les clubs franciliens. Bon, en tout cas, Gabriel Aumont, merci. Oui, de rien. Bah ouais, je merci parce que tu étais là. Oui. Maintenant, c'est toi qui vas me remercier parce que je vais te soutenir quand même. Hein, ah bah tout seul, j'aurais peut-être... Ouais, là, j'aurais calanché. Là, ouais, tu serais peut-être parti. Mais on s'attend quand même à un match je sais pas. Voilà, intéressant. Et il va y avoir de l'enjeu, même de gros enjeux, pour PFC Lens vendredi prochain. Vendredi, à partir de 19h50 sur Jour de Sport, comme toujours, c'est là hein, qu'on peut suivre... les grands matchs du Paris FC, ce grand football que proposent les Parisiens, malheureusement. En tout cas, on reste dans ce marasme le plus total, dans ce football le plus néant. Certes, il y a un but de Dylan Bamboula, c'est un but sur pénalty, ce n'est pas là qu'on attendait les Parisiens. Socrier vient de donner tout, son short, son maillot, et il reste plus en caleçon sur la pelouse parce qu'il donne tout aux enfants du club. Voilà, c'était une image sympathique. Voilà, merci Gabriel. En tout cas, pour ce week-end, pour cette année de Coupe de France, c'est fini. Pas de parcours en Coupe de la Ligue. L'an dernier, on a Créteil qui était allé quand même en 16e de finale, 8e de finale pardon, face au Stade Rennais, éliminé à Rennes. L'an dernier, le Red Star en Coupe de France, éliminé en 8e de finale face à la Saint-Etienne au Stade Jean-Bouin. Cette année, on est tous sortis au premier tour de Coupe de la Ligue. Et donc là, on voit nos clubs être sortis très rapidement aussi en Coupe de France. Rendez-vous donc vendredi pour la Ligue 2 avec la 18e journée Paris FC Lens à partir de 19h50 sur Jour de Sport. Coup d'envoi du match à 20h. Bonne soirée à toutes et à tous. Boulogne s'est donc imposé et qualifié pour les 32e de finale grâce à une victoire sur le score de 3-1. Ciao, bonne soirée.